Ok, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième live de Barbatronic. Ouais, mais c'est les... Ah, monsieur Mopy 5000, bonsoir monsieur Mopy Ok, 5000. bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans... Alors... Alors, aujourd'hui, alors je pense qu'il y aura pas grand monde là ce soir. Il n'y a pas eu trop de retours là sur les réseaux. J'avais prévu de faire un live sur ma participation à la Fab Academy. Sauf que mon réseau internet étant très très fluctuant ce soir, j'avais peur que ça coupe réellement, donc ou que ce soit de mauvaise qualité. Donc ce qu'on va faire ce soir. C'est plus un petit live technique, tranquillou. En fait, on va démonter l'actionneur qu'on avait testé la semaine dernière. Et je garde la Fab Academy pour la semaine prochaine, ce qui vous laisse plus de temps sur Twitter pour poser vos questions. Et moi aussi, ça me laisse plus de temps aussi pour trouver certaines réponses à des questions. Voilà, des réponses que je n'ai pas forcément, parce que j'ai été du côté étudiant et pas forcément du côté très organisation cette année. Voilà, je pense que ça va s'articuler comme ça. Bonsoir, André M. Alors, on va commencer direct. Alors, est-ce que le son est bon et est-ce que la vidéo est bonne? Parce que la semaine dernière, vous m'avez dit qu'il y avait un décalage, je pensais que c'était le stream. Et en fait, en revoyant mon enregistrement, il s'est avéré que mon enregistrement aussi avait un décalage. Donc là, j'ai essayé de corriger ça. L'enregistrement était bon tout à l'heure. Voilà, donc vous n'hésitez pas, si jamais vous voyez un gros décalage, vous me le dites, et puis j'essaierai de corriger ça en live. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, je vais allumer, hop, ma caméra. Hop, voilà, comme ça, tout est bon. Ah, super, merci monsieur Mopi 5000. Alors, voilà. J'ai l'image, ok. Est-ce que vous avez l'image? Attention. Oui, super, impeccable. Allez, hop, donc on va passer directement sur la partie atelier. Donc, juste tourner mon micro. Désolé pour le bruit. Alors, la semaine dernière, on avait testé un actionneur linéaire donc de ce type-là, qui est un actionneur en fait qui est très souvent utilisé, par exemple, pour lever des trappes, lever des, ouvrir des fenêtres, etc., qui sont des actionneurs qui sont pas chers. Alors là, je vous ai mis, hop, je vais vous montrer ça, j'ai mis le lien où je l'ai acheté. Moi, je l'avais eu sur Banggood. Voilà, environ 35 euros. Moi j'ai pris ce modèle-là, donc en 150 mm, ah bah, il était même moins cher, vous voyez, 30 euros, et il était vendu avec des brides, directement de fixation. Celui-ci avait une course donc de 150 mm environ, pouvait pousser, donc avait une force de 200 newtons, alimentable en 12 volts et avait une vitesse de 30 mm par seconde environ. Donc ce qui est, on fait quand même un actionneur relativement rapide pour notre usage, mais pas bon, voilà, c'est pas la folie non plus quoi. Donc juste pour voilà, vous remémorer, on avait ça, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, c'est pas très compliqué mais c'est assez rigolo. Alors on avait pris une batterie LiPo en 3S, donc environ la chargée elle est à 12 volts à peu près. Un ESC pour pouvoir piloter des moteurs continus de radiomodélisme. Brancher tout ça sur un récepteur. Voilà. Et on a branché, on avait fait un petit câble pour brancher notre moteur. Donc notre moteur est ici. Moi j'ai, hop, la manette qui est là. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait juste essayé de paramétrer un peu l'ensemble pour voir un peu ce que ça donnait en termes de fonctionnement. Alors attendez, je vais juste couper un truc. Sifflement. Ah voilà. J'ai eu un problème avec ma caméra, c'est que j'ai eu plus de batterie tout à l'heure et mon chargeur ne fonctionnait plus. Il semblerait que ça refonctionne. Alors, on va réessayer voir si tout fonctionne. Donc, on va allumer la partie réception. On va allumer notre radiocommande. Voilà.
Voilà, faites pas attention au serveur moteur, ça tourne un petit peu. Et alors là, la semaine dernière, on s'était branché sur interrupteur 3 positions. Là, je me suis mis sur les gâchettes pour essayer. Et donc, quand j'actionne la gâchette, voilà, ça me permet de faire sortir plutôt de manière contrôlée le piston. Donc là, on est dans l'entrée complète. Et vous vous souvenez, effectivement, cet actionneur-là, il avait la particularité aussi, c'était de s'arrêter en butée, parce que, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a des petits clics. Donc il semblerait qu'il y ait des interrupteurs, hein, tout simplement, à l'intérieur, qui permettraient en fait de piloter ça. Donc ça en fait un actionneur très très simple à utiliser. Voilà. Alors, on va arrêter tout ça. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, et qu'on sait que ça fonctionne, moi je vais peut-être pas utiliser celui-ci. Je verrai. En tout cas, j'ai pour habitude c'est d'acheter du matériel, de regarder comment ça fonctionne, de le démonter complètement, de regarder si on peut pas améliorer des choses. Et après, pour l'utilisation finale, d'en reprendre un neuf. Sauf, ça dépend du prix du matériel forcément, mais là on va se le permettre pour le prix du matériel pour le mettre dans la solution finale. Donc celui-ci, on va le démonter, on va regarder comment c'est foutu, et puis on va voir si on peut faire des petites améliorations, si ça a l'air solide, s'il va falloir remettre un petit peu de graisse à l'intérieur. On fera pas ça ce soir, mais au moins on va regarder dans quel état c'est à l'intérieur. Donc je vais juste, hop, on va commencer par débrancher la batterie. Voilà. On va débrancher le moteur. Et on va mettre tout ça à côté. Alors sur le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai l'écran juste à côté, donc je vois ce qui se passe. Alors, eh ben première chose, on va enlever les petites goupilles. Alors ouais, j'en avais parlé un petit peu de ça, les goupilles qui sont vendues avec. Bon. Alors ça doit faire le taf, hein. Sauf que nous on n'utilisera pas ça. Parce que comme c'est censé être quand même une arme, j'ai quand même peur que ce soit pas foufou. Donc on essaiera de trouver une autre solution qui soit un peu plus intéressante pour nous. Alors, on va peut-être les remonter, comme ça on les perdra pas, parce que c'est quand même pratique. Même si c'est pas dingue. Voilà, alors je sais que ça se met pas comme ça, mais moi ça me permet de ne pas les perdre, de pas les casser. Hop, voilà. Hein, vous vous souvenez, c'était une pièce. Cette pièce-là est intéressante. Elle est quand même pas trop mal. À mon avis, on peut l'utiliser direct. Ça, voilà, je sais pas. Je me demande si on n'utilisera pas une vis ou un système. Voilà, un peu différent pour pouvoir se rattraper sur nos pièces. Ok, donc ça, hop, on met de côté. Et donc voici notre système. Alors, on a deux vis qui sont ici. On a deux vis là qui viennent tenir l'ensemble vérin. Et on a trois vis ici qui viennent tenir la partie moteur. Alors, je suppose qu'à cet endroit-là, on doit avoir les pignons. J'étais pas là sur les autres lives, c'est quoi le but de cet actionneur? Alors en fait, on participe à la Maker Fight, qui est une compétition de combat de robots. L'année dernière, alors je vais essayer de te retrouver les vidéos et les photos vite fait. Alors, yes. Alors, est-ce que je peux passer sur le bureau? Voilà. L'année dernière, on avait fait un robot, voilà, qui était celui-ci. Alors, quand ça, c'était quand il était propre. Et on était censé avoir un actionneur, tu vois, au milieu pour pouvoir éjecter l'adversaire à la manière, en fait, du robot Cassius de Robot Wars. Voilà, qui est le premier flipper de l'histoire, dans l'histoire des combats de robots. Voilà, ici. Sauf que l'année dernière, on pensait faire ça avec un moteur d'essuie-glace. Et on n'a pas eu le temps de l'implémenter.
Et donc du coup, cette année, moi j'aimerais bien quand même implémenter une arme parce que bon voilà, il a bien résisté, mais il a bien morflé et bon, il a quand même gagné la compétition, mais il a gagné sans arme et le but quand même de ce robot, c'était quand même d'avoir un bras pour pouvoir éjecter, ou en tout cas retourner l'adversaire, pas l'éjecter, le retourner. Ce qui explique pourquoi la vitesse à laquelle va l'actionneur là me suffit complètement. Si jamais je devais effectivement éjecter l'adversaire, je me tournerais plus vers de l'air comprimé. Là, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire un vers un, en fait, très simplement, pouvoir éjecter, retourner l'adversaire quand celui-ci est bloqué en fait sur le dessus. Et j'avais montré quelques vidéos. Alors, est-ce que voilà, j'avais montré quelques vidéos de la coupe de cette année où effectivement on voyait bien que très souvent en fait, alors voilà, on était dans une position où, ah non, pas ça, voilà, on était en dessous du robot et en fait ça s'arrêtait là. Et donc nous, ce qui nous manquait, c'était hop, l'arme pour pouvoir retourner le robot et puis en fait le rendre complètement bah, voilà, inutilisable. Voilà, typiquement, hop, on est là, voilà, ici et là. Soit on lève dans ce sens-là, voilà, avec la pente, le bras qui fait ça, soit on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec la pente, on va avoir ça, et on va faire ça. Ça, c'est pas encore décidé, on verra ça en modélisation et en réfléchissant un peu sur les débattements, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir, voilà, ce plus, en fait, pour retourner l'adversaire. J'espère que c'était clair. Et donc du coup, la semaine dernière, on a testé un peu l'actionneur. Hop. Et donc, celui-ci, c'est quand même pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est compact. Je l'avais dit ça la semaine dernière aussi. Et donc, ça veut dire qu'on est aussi en capacité d'en mettre peut-être deux. Deux qui soient moins puissants mais plus rapides. Et du coup, gagner en vitesse. Et pourtant, avoir suffisamment de puissance pour pouvoir lever l'adversaire. Et puis surtout, voilà, c'est hyper compact, ça consomme rien. On a fait des essais de traction au Fab Lab, on était à 2 ampères pour plus de 20 kilos, donc c'est ridicule quoi. C'est ridicule pour notre usage, c'est nickel. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment et par quoi on va commencer? Je me dis que si je démonte de ce côté-là, je vais me retrouver avec toute la pignonnerie, c'est cool, mais je vais en avoir partout. Si je démonte là, enfin, je ne sais pas ce que je démonte. Ça, je suppose que c'est la bride ici. Moi, je pense qu'on va commencer par celle-ci. Parce que comme ça, on va démonter cette pièce-là en plastique, je suppose. Et si jamais je peux regarder comment c'est foutu à l'intérieur vite fait, je pourrais peut-être comprendre comment ça marche de l'autre côté. Allons-y. Donc, ce bien, c'est que du cruciforme. Apparemment, ils n'ont pas serré ça comme des fous. Ouais, nickel. Voilà. Alors, les vis, ça n'a pas l'air foufou. Hein. Attention. Alors, c'est des vis à plastique. Ouais. Des vis à plastique. Alors, ça a un avantage, c'est que si jamais on doit les changer, bah, ça ne sera pas compliqué. L'inconvénient, c'est que c'est quand même pas dingue. Alors, ça m'a l'air bien enfoncé. Mais ça sort quand même. Je vais prendre un petit tournevis plat. Alors, la semaine dernière, il y en a certains qui disaient qu'on pourrait peut-être refaire cette pièce-là parce qu'on avait vu qu'il y avait un peu de jeu dans le mécanisme. Donc, potentiellement, voilà, ça pourrait être intéressant de pouvoir l'enlever. Alors, comment c'est foutu? Ah, d'accord. Ok, alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? À l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, donc on a l'arbre qui bouge quand même hein, pas mal.
Et on a une petite platine là en plastique et le micro switch à l'intérieur. Donc qui doit faire du coup la butée haute. Alors c'est intéressant. Est-ce que j'ai moyen d'enlever ça? Ah, alors si je tire là. Ok, si je tire là, je tire aussi le micro switch. Donc je ne vais pas faire ça. Parce que ça, c'est mauvais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, ça ne tient rien. En fait, ça évite juste au micro switch de sortir. Donc on va le remonter. Regardez juste comment c'est foutu. Remettre la caméra normale. Ouais, c'est une pièce en plastique standard. Ah, c'est marrant parce que on dirait qu'il y a un logement. Alors, vous voyez, on dirait qu'il y a un logement ici. Là, à l'intérieur, ici, là. Et c'est drôle parce que c'est comme si on pouvait, comment dire, y insérer une bague, en fait. Et donc, du coup, on améliorait le guidage du système. Pour éviter justement des frottements plastique sur plastique, mettre une bague en métal ou en Delrin à la limite, et pouvoir du coup limiter le jeu. Ça peut être intéressant ça. Bon, allez hop, on remonte ça, on perd pas la vis comme ça, on n'en parle plus, on va passer. Alors. Je suppose que si ça ressemble à cette pièce-là, de l'autre côté, ça doit être la même chose. Donc, il n'y a pas. Et ça, ces deux vis-là, elles tiennent le tube. Donc, et ça, à mon avis, ça doit être les charbons du moteur. On a des vis à cette partie-là. Pas envie de mettre de la graisse partout tout de suite, même si je sais que ça va arriver. Alors, on va dévisser tout doucement. Ah, alors quand. Ah! Ah, c'est drôle. Alors, du coup, moi je pensais que ça allait être le top qui allait s'enlever, mais en fait, tout part. Donc, c'est quand même intéressant. On va peut-être avoir accès au moteur et regarder un peu ce que c'est. Alors, je vois des câbles passer là, j'ai pas envie de tout enlever d'un coup. Ça a l'air d'être des longues vis. Je m'attendais pas à ça. Je pensais avoir accès à ça en dévissant à l'intérieur. Ouh, alors. Ok. Alors, ne pas faire de bêtises, puisque alors là, je vois les charbons. Et en fait, c'est le moteur. Ce que je suis en train de faire là, c'est ce que je suis en train de retirer, c'est complètement le moteur. C'est tout le moteur en fait. Pas hyper intéressant, en gros, c'est l'ensemble du bloc motorisation avec l'arbre, avec. Ah ouais, bon, voilà, bah je vais en jeter pour le remettre. Ah, c'est le jeu, hein. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le moteur. C'est pas une pièce qui vient protéger le moteur. C'est vraiment le moteur, quoi. Là, les aimants, ils sont. Bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est foutu. Je suis bon pour tout enlever. Voilà. Et c'est rudimentaire hein, quand même. Hein. Il n'y a pas de charbon, il n'y a rien du tout. Ça frotte sur les. Ah si, autant pour moi. Il y a des charbons. Il y a des charbons ici. Bon, ça c'est bien parce que ça veut dire que. Bon, et ça va pas s'user de ouf hein, parce qu'on n'est pas sur les non plus des trucs très très, très complexes. Par contre. Ça veut dire que à remonter, je vais galérer. Ça, c'est important de le noter. Mais que. C'est rustique, c'est réparable. Là. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remonte tout de suite. Allez, on remonte tout de suite. Enfin, on regarde. Si jamais c'est l'enfer, on verra ça plus tard. Hop, il faut qu'on remette les charbons à l'intérieur. Si des gens ont déjà démonté des moteurs, vous savez que ça peut vite devenir bien la galère. Là, je vous avouerai que j'ai pas forcément les bons outils pour faire ça. Voilà. Bon, écoutez, surprenant, mais pas non plus complètement aberrant. Ah. Ah. Oui, suis-je bête? Forcément. Forcément. J'ai pas le matos pour le remettre correctement. Bon. Alors, on tente encore un peu. Si jamais on voit que c'est encore la galère, on changera de stratégie. Ah, par contre, ça n'a pas été rodé, parce que ils ont une forme un peu à la con, les machins là. Ok. Alors, essayons. Voilà. On va juste. Voilà. Là, on n'en parle plus. Voilà. C'est un peu merdique ces vis. Mais bon, soit. Du coup, je ne sais pas du tout dans quoi je visse. Ok, c'est bon. C'est après. Ouais, bon. Alors, je vous avouerai que cette partie-là, je la démonterai pas tous les jours. Ça tombe bien, parce que c'est pas du tout celle-ci qui nous intéresse. Ah non, ça va être l'enfer en fait. Ce qui est drôle, c'est que généralement, quand on démonte un truc comme ça, il y a quand même un fort potentiel pour que derrière, aussi simple soit-il, le système ne marche plus comme il faut. Mais c'est comme ça qu'on apprend, parce que tant qu'on ne l'a pas démonté une fois, eh ben, c'est marrant, ça fait un bruit. Eh ben, on ne sait pas comment ça fonctionne. Bientôt, le jour d'une compétition, si jamais ça merde, eh ben, on ne sait pas comment le réparer. Alors que là, l'avantage, c'est que on saura comment c'est foutu et on saura aussi c'est la même taille. Quand même, les mettre de côté. On saura ce qu'il faudra faire si jamais il y a une panne. Et ça peut sauver quelques précieuses minutes. Bon, alors là, par contre, doucement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que. Ok. Ah oui, mais c'est très très con. Alors, d'accord, ok. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démonté le moteur, j'ai aussi démonté forcément sur l'axe. Voilà. Le pignon. Désolé, vous voyez pas bien là. Je vais vous le remettre. Ça peut mettre de la graisse sur ma caméra. Voilà. Mais c'est très bête en fait. Hein. C'est très très bête. C'est que bah on a juste là voilà, quelques engrenages, un rapport d'engrenage, et puis c'est tout. Alors ici on a la sortie du moteur qui va entraîner toute une série d'engrenages.
1, 2, 3, 4, 5, 6 engrenages pour aboutir sur la tige globale là qui est là et qui doit entraîner un écrou, j'imagine. Et la manière dont est câblé le truc, j'ai l'impression qu'en fait les switches vont pas piloter une quelconque position par rapport à une carte électronique, ça va juste en fait inverser le sens du moteur ou le couper quand enfin plutôt le couper d'ailleurs quand il arrivera sur une position, mais c'est vraiment purement mécanique électromécanique quoi en fait. Ce qui fait que le système est quand même relativement robuste, mais il faut quand même qu'on vérifie en termes de switch ce qu'ils ont foutu, parce que si le courant devient trop important, c'est pas le moteur qui va prendre au vu de sa conception, c'est potentiellement le switch en fait qui n'arrivera pas, en fait qui va cramer et qui va juste avoir sa languette qui va brûler. Donc je vais laisser ça, je vais le remonter. Pour ceux qui ont déjà démonté des servomoteurs, toujours un peu aussi le, voilà, le même principe, c'est que toujours un petit peu peur qu'on n'ait pas foutu les bons rapports de réduction. Et alors oui, du coup, ce serait intéressant de regarder les rapports, le vrai rapport de réduction, en comptant les nombres dedans et en faisant en faisant tout ça, parce que peut-être que il y a moyen de modifier un petit peu ça. Parce que ce que je suppose, on a dit qu'il y a plus qu'une supposition, c'est que comme ils vendent à peu près les mêmes actionneurs linéaires, mais avec des. Oula, je suis tout flou. Mais avec des rapports de réduction, enfin des forces différentes et des vitesses différentes, mais avec un form factor qui semble être le même systématiquement. Je suppose que ce qui change juste, c'est le rapport de réduction à ce niveau-là. Bon, moi, ce qui me fait un peu plus peur, là, c'est que si je dois enlever ça, je ne sais pas comment ça se passe en termes de câblage. Alors, on va enlever quand même notre pièce au bout, là, qu'on avait remise. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait il y avait le câblage qui passait dedans. Hop. Alors dans le chat là, Monsieur Poppy 5000 et André M, c'est quoi qui vous a amené ici? C'est la coupe ou c'est la Coupe de France ou c'est la Maker Fight? C'est vrai qu'on va parler des deux là. Sur ces lives, et qu'en ce moment je suis plus sur la Maker Fight pour la simple et bonne raison qu'en fait le règlement il est sorti de la coupe, il est sorti il n'y a pas très longtemps, et puis comme je suis dans la commission règlement, je me refuse à bosser sur les robots avant la rentrée, ce qui me semble logique vis-à-vis des autres équipes. Et je sais pas du coup si vous avez vous des projets sur lesquels vous travaillez. Ce qui est embêtant avec le chat, moi c'est plutôt la Coupe de France, mais j'ai regardé la vidéo sur la Maker Fight, Monsieur Poppy 5000. D'accord, ok. Tu participes à la Coupe de France? T'es dans une équipe ou alors c'est quelque chose qui t'intéresse? La Coupe de France, le Maker Fight, c'est intéressant aussi. Ah. C'est drôle parce que la semaine dernière, j'avais plus de gens de la Maker Fight que de la coupe. Alors je sais pas si vous nous connaissez au niveau des caribous, mais vous savez que peut-être que nous, on vient plutôt de la Coupe de France. Et la Maker Fight, c'est venu bien après. Et franchement, si vous avez l'occasion. C'est assez chouette. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience la Maker Fight. Monsieur Poppy, d'ailleurs, fun fact, j'ai pas couru vite fait ton premier stream. T'as montré un prototype en carton, c'est le système de notre robot pour la CDF 2019. Ah, c'est drôle ça.
Alors, j'ai montré un prototype en carton, mais alors, le prototype. Ah, je sais plus, je me souviens même plus ce que j'ai montré, mais j'ai montré un prototype en carton pour la première compétition que j'ai faite avec des balles. Mais du coup, si c'est le même prototype que vous avez utilisé, vous, pour la Coupe 2019, en carton, c'est vraiment encore plus drôle. Alors. Mais ça a pas mal divergé à la fin, donc si jamais c'était autre chose, n'hésite pas à me le dire. Alors, comment ça marche? Eh, mais c'est quand même plutôt bien foutu, hein. Donc, pendant que je parlais, j'ai enlevé du coup le cylindre là. Je vais essayer de zoomer, parce que là, ça va devenir, à mon avis, plus intéressant. Voilà. Nickel. N'hésitez pas à mettre vos noms d'équipe si vous êtes dans des équipes, hein, que je puisse vous repositionner un petit peu. D'accord, ok. Alors, le principe est relativement simple. Alors, j'avais raison de ne pas tourner cette broche-là parce qu'elle doit être vissée dessus. Alors, on va tourner ça. Je sais pas si vous voyez bien. En gros, on a cette barre-là qui va venir monter, descendre. On a cette petite pièce en plastique qui va permettre en fait d'appuyer sur les micro-suites, donc les butées. Et on a une vis ici qui va permettre de faire avancer l'ensemble. J'aimerais quand même. Ah, c'est plein de graisse par contre. Je vais dévisser. On est là pour de toute façon le démonter, même si on aimerait quand même pouvoir refaire des essais avec. C'est long! Ah, mais alors, du coup, c'est vraiment intéressant. D'accord, ok. Très bien. Oh, bah, c'est chouette. C'est très chouette parce que ça, on peut le retourner. Bon, j'ai quelques idées en tête là, du coup. C'était ça. Nous, notre robot prenait les palets horizontaux de cette façon. J'étais le président de Projet Tech. Ah, d'accord, ok. Ça roule. Pour cette année, je rejoins Projet Tech Legacy pour 2020. Ah, d'accord, ok, ça marche. Je viens bien. Et André M, moi je suis juste un curieux et pas du tout dans le domaine. Ok, bah écoute, c'est ouvert aussi aux curieux, bien évidemment. Et si ça peut te donner l'envie de faire des robots et de participer à ce genre de compétition, ben ça peut être super chouette. Parce que mine de rien, il y a de tous les niveaux et on pourrait être surpris des fois. Bon. Il est pas mal ce système là. Donc, on a cette barre en fait qui est la barre de sortie, qui est une barre donc creuse en aluminium, hein, sur lequel il y a à mon avis, enfin, ouais, c'est de l'aluminium, je pense. Ouais, je demande à Mathieu ce qu'il en pense. Voilà, là on a un filetage. Ce filetage, hop, nous permet de venir nous visser sur la pièce ici. Et c'est cette pièce-là qui va venir bouger. Bon. Écoutez. Ça semble fragile en fait quand même. Alors, on va faire un truc. Est-ce que je peux. Ah oui, non, d'accord, ok. Alors, ce qui fait que la vis en tournant, en fait, va venir entraîner ça. Et va venir le faire bouger, c'est qu'à l'intérieur, il y a ce profilé-là sur lequel la pièce en plastique va venir appuyer, donc cette pièce-là. Donc ce qui se passe, c'est que je pourrais pas la sortir comme ça à la main, sauf si j'enlève tout. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, finalement, c'est une pièce en dèlerin avec un axe, avec un pas. Très simple. Et à l'intérieur, ah ouais, c'est bien ce que je me disais. On n'a pas encore tourné. La partie électronique, elle est quand même. C'est bêtement. Alors, je peux pas zoomer plus et j'ose pas trop le monter. Je vais essayer quand même. Très sale ce qu'ils ont fait. Mais bon, ça marche. Hein, donc. C'est bêtement en fait les switches avec des diodes pour pouvoir en fait arrêter le moteur. En butée haute ou en butée basse.
Voilà. Donc c'est très très simple en fait. Que quand le moteur tourne dans un sens, c'est le switch d'en bas qui va par exemple laisser passer le courant et donc du coup va venir se couper et couper l'alimentation quand le moteur sera en bas et inversement pour le moteur du haut. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le système étant tellement simple, on peut... alors déjà, moi on peut regarder pour refaire des soudures ou refaire des trucs parce que là ils ont je sais pas, je saurais pas comment vous le montrer, mais ils ont même pas pris la peine de couper les pattes de la diode. Ils ont soudé ça directement sur le câble. Alors attendez, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Vous voyez? Alors attendez. Voilà. Là, la diode elle est quasiment entière en fait. Ils ont même pas pris le temps de la couper. Bon, c'est pas grave. En soi, je veux dire, qu'elle soit coupée ou non, ça change pas grand-chose. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Je me demande si... Ah, ce serait gros, mais ça pourrait passer aussi dans ce genre de truc-là, dans un robot de la coupe. Hein. Je sais pas trop qui pourrait s'en servir, mais bon, à 12 volts 1 ampère, il y a moyen. Bon, alors, plusieurs trucs. Quand même, reprenons un peu l'ordre des choses. Ce qui est pas mal, c'est le profilet ici, qui a l'air de bien fonctionner, donc sur lequel on ne viendra pas trop intervenir, à mon avis. Les switches, c'est du classique. Alors, 12 ampères. Oui. C'est du classique, ça va marcher. Si jamais il y a une surcharge, une surtension, à mon avis, ça passera par là. Mais ça se change. Ça se change, ça se trouve, ça doit coûter quelques centimes. Donc c'est complètement réparable. Il n'y a rien de très compliqué. Mécaniquement, s'il y a un truc qui pète dedans, ouais, ça va être chiant à changer. Mais électriquement, voilà, tout est réparable. Ça, moi, je le garderai. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça, par contre... Ce qui est cool, c'est que finalement, c'est juste un tube avec un filetage. Et donc, si c'est juste un tube avec un filetage, comme moi je trouve le tube voilà, un peu faible, en fait, et surtout, ouais, j'ai peur que ça casse dans le temps. Clairement, ça, c'est quelque chose, si on a un tour dans une. Voilà, de là où on bosse, et nous, au Fab Lab, on a justement un tour. Eh ben, ça c'est quelque chose, je peux demander à David, ou même je peux le faire moi-même, c'est de le retourner en acier. Tout simplement. Donc, de retourner cette pièce en acier, et de venir le refileter, et puis de venir faire une pièce spécifique pour mon usage. C'est-à-dire que ça c'est complètement tournable, quoi. Je ferai pas, il y aura pas comment dire ça sera juste creux, complètement. Ou alors, si je ressoudrais quelque chose dessus. Mais, c'est faisable. C'est-à-dire que là, on a une pièce qui est vraiment très très facile à retourner. Ça, c'est cool. Bon, on va le remonter. Et alors, il y a de la graisse un petit peu, mais alors ça veut dire aussi que, en fait, on a. Moi, j'avais peur de dévisser cette partie-là quand le truc était monté complètement. Et en fait, bah voilà, maintenant que je vois comment ça fonctionne, ça me fait déjà un peu moins peur. Et donc, du coup, ça veut dire que je peux l'enlever. Je peux potentiellement sortir le système, je peux regresser de l'extérieur sans avoir besoin finalement de tout démonter, même s'il faut que je démonte tout. C'est pas trop grave. Bon, eh ben, allons-y, on va remonter ça. Alors là, par contre, est-ce qu'on va se marrer ou pas? Alors, il y a des rainures. Suivons les rainures. Hop, si c'est rentré une fois, ça peut rentrer une deuxième fois. Franchement, ça va, hein. Je m'attendais vraiment à pire. Hein. Hop, on va remonter. Alors, de ce côté-là, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une vis standard. Donc c'est pareil, ça se change. C'est très bien. Bon, quoique là, avec un tournevis cruciforme, voilà, on arrive à tout démonter, donc c'est quand même nickel. Hop.
c'est ici. Bon, il y a d'autres personnes qui regardent là, à part Monsieur Poppy et André-M. Ah, c'est un peu calme, hein, je m'y attendais un petit peu. Un vendredi soir, comme ça, après le 15 août. Déjà au boulot, c'était calme. Alors, sur Internet, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Ça va nous permettre de faire d'autres trucs. Et puis, bah, du coup, on a quand même démonté notre système. Voilà. Qui est pas si mal que ça. Alors, on va mettre la dernière vis. Et puis après, bah, le dernier essai à faire, c'est est-ce que je l'ai bien remonté? Alors là, le risque, quand même, c'est d'avoir fait un peu n'importe quoi au niveau de la motorisation. Mais, à mon avis, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Alors, faisons un peu de place. Alors oui, les servomoteurs, c'est juste pour tester ma télécommande en mode mix. Donc il se peut qu'il bouge un petit peu. Faut pas s'inquiéter. Tu pourrais même allonger la tige pour que le système soit un peu plus à l'abri potentiellement. Ouais. Alors effectivement, je peux bricoler du coup sur la tige et ça c'est quand même vraiment chouette. Alors après, vu la taille de mon robot, ce serait plutôt l'inverse, tu vois, que j'aurais besoin de faire. Ce serait plutôt de raccourcir. Là, j'ai pris un modèle standard en 150. Et finalement, on verra ça à la modélisation. Mais on pourrait... j'aimerais bien avoir un système un peu plus court, quoi, au final, pour l'intégration. Mais ouais, en fait, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est chouette. Ça c'est une bonne chose, quoi. On peut le garder comme ça parce que comme ça mécaniquement ça va marcher, mais si on souhaite le protéger, c'est complètement possible. Allez, on rebranche. Voilà. Alors. Ah. Bon, alors ça a l'air de fonctionner. On va aller dans l'autre sens. Bah écoutez, c'est reparti, hein. Ah, il fait un peu un sale bruit, je crois que j'ai enlevé un peu de graisse. Oh non, ça va. Bon, bah c'est pas mal, ça. Impeccable. Impeccable. Alors, du coup, je vais couper ça. Je vais enlever le moteur. Juste vous montrer un truc qui est rigolo. Quand même. Allez, hop, voilà. C'est que on a fini un petit peu avec l'actionnaire. C'est ce que je voulais vous montrer la semaine dernière. C'est que, alors, tuk-tuk, démêlons un peu les câbles. La manière dont fonctionnent les robots à la Maker Fight, enfin, en tout cas, le nôtre, c'est assez simple, c'est que je vais remettre le. Voilà. Les photos. Tuk-tuk. Voilà. Est-ce que j'ai une photo de l'intérieur du robot? J'ai forcément une photo. Voilà. Nous, ce qu'on utilise en fait à la Maker Fight, si vous n'étiez pas là les premières fois, c'est des moteurs. En fait, c'est le bloc motorisation de perceuses qui coûte pas très cher. Et les perceuses vraiment très très premier prix à 14-15 balles. Elles ont un bloc de motorisation comme ça, donc avec un moteur type Mabushi 540-550 selon le type de moteur. Donc ça veut dire que ça peut être changé par des moteurs de modélisme standard. Et un réducteur épicycloïdal 31, je crois, j'ai un doute. Avec une sortie d'arbre sur un roulement à billes et fileté. Voilà, avec une vis pas à gauche de l'autre côté pour pouvoir garder en fait l'ensemble fixé. Ça, l'avantage du coup, c'est que c'est assez robuste, ça fonctionne bien, ça coûte pas cher. Et du coup, le principe, c'est comme dans les robots de la coupe et comme dans la majorité des robots, en fait, on va avoir. Est-ce que c'est la meilleure photo ça? Bah, super, génial. On va avoir deux roues avec les deux moteurs, et puis sur donc chaque roue, chaque moteur pilote une roue. Voilà.
C'est le cas très très classique, voilà, comme un tank. Donc l'idée c'est que si les deux moteurs vont dans le même sens, ben, on avance ou on recule. Et s'il y a un différentiel de vitesse sur moteur gauche et moteur droite, on va soit tourner sur soi-même, soit faire des arcs de cercle. Voilà. Donc ça, c'est le principe très standard des robots, tels qu'on peut le voir un peu partout. Et donc nous, on utilise ce principe-là aussi à la MakerFight avec les mêmes moteurs. Et donc pour piloter ça, vous avez vu, on utilise une radiocommande. Et entre les deux, parce que j'ai un schéma, voilà. Et entre les deux, on a ces bébêtes ici, là, qui sont en fait des pilotes de moteur, donc des ESC en radiomodélisme. Le principe, c'est que j'en ai un, je vais vous le montrer. Hop. Oui, je sais. C'est qu'ici, on va juste venir brancher notre moteur. J'ai ma télécommande. Voilà. On va brancher notre moteur, on va brancher la batterie. Le SC va se charger de ramener du courant et ramener du jus pour le récepteur et pour ce qui est branché dessus. Et on va le piloter, ça, comme un servomoteur. Exactement avec les mêmes signaux qu'un servomoteur standard. Donc les servomoteurs, c'est les dispositifs que l'on voit dans plein de systèmes radiocommandés qui ont une rotation droite-gauche de plus ou moins, alors ça dépend des modèles, 90, 80 degrés. En fait, il y a plein de modèles différents en modélisme. Et l'idée, en fait, c'est exactement le même, c'est que vous allez envoyer un signal type servomoteur et lui, il va piloter vos moteurs continus. Donc c'est très très simple. Le problème, c'est que ici, vous avez des voies sur votre récepteur et chaque voie est censée être pilotée par une voie de la radiocommande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'active cette voie-là, par exemple, et ben ça, c'est la voie, mettons, c'est la voie 3. Voilà. Et ben en fait, le servomoteur qui est sur la voie 3 va venir tourner. Pareil ici, ça c'est la voie 2 par exemple, ben, le servomoteur sur la voie 2 va venir tourner. Donc, si je reprends mon exemple avec mes deux moteurs, mes deux ESC, admettons que ces deux servomoteurs-là, ce soient mes moteurs de propulsion de mon robot, pour avancer dans ce sens-là, il faudrait que mes deux moteurs tournent dans le même sens. Donc il faudrait que par exemple j'ai le SC sur la voie 2, le SC sur la voie 3, c'est plutôt voie 1, voie 2, pardon, et donc que je pousse ces deux sticks-là pour aller en avant. Pareil pour aller en arrière, je pousserai les deux sticks en arrière, et pour tourner sur moi-même, je viendrai faire un différentiel de vitesse droite-gauche. Donc ça c'est la théorie, c'est la pratique. Sauf que piloter un machin avec deux voies comme ça, clairement, c'est absolument pas naturel. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Et ceux qui jouent aux jeux vidéo, par exemple, on le savent, c'est qu'on a plutôt l'habitude avec une manette de, par exemple, d'avoir avant, gauche-droite. Sauf que là, on doit avoir un différentiel pour nos moteurs. Donc comment on va faire ça? Alors il y a deux solutions. Soit on vient rajouter un système qui vient le faire électriquement dedans et qui vient faire ce qu'on appelle du mixage. Voilà, donc ça veut dire qu'il va prendre les voies et il va mixer les voies électriquement, directement au niveau du signal de sortie. Ça, c'est ce qui est fait par exemple dans les ailes volantes. Alors est-ce que je vais réussir à vous trouver une aile radiocommandée pour que vous compreniez comment ça marche? Alors, tac, changer. Voilà, LRC. Ah oui, mais non. Plutôt des ailes. Voilà, plutôt. Ah, super, génial, ça. Voilà, exactement ce que je voulais. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Tac. Voilà. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut zoomer. Magnifique. Voilà. Par exemple, ces ailes-là ont deux ailerons gauche et droite. Et donc,
Ce qui fait que ce qu'on veut faire, c'est quand, quand on va faire ça, on doit descendre. Quand on va faire ça, on doit monter. Donc les deux ailerons doivent faire tac, tac. Et quand on va faire gauche, droite, les deux ailerons doivent faire pivot comme ça. Et donc, pour faire ça, en aéromodélisme, ils ont fabriqué des petits composants qui sont des mixeurs, qui font ça directement. Une autre solution, c'est de le faire directement avec la télécommande. Et donc, en fait, il y a beaucoup de télécommandes modernes qui aujourd'hui ont ce qu'on appelle des mode mix. Alors là, je voulais paramétrer avant parce que ça a été un peu la galère. Je savais pas trop comment le paramétrer au début, mais ça va simplifier en fait quand même vachement le principe. C'est que vous voyez, moi la mienne, elle a un mixage ici. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que je veux mixer mon channel 1 et channel 2 en ayant le channel 1 en maître et le channel 2 en esclave. Le channel 1 pour moi, c'est ça. Et le channel 2, c'est celui-ci. Avec, alors c'est là où c'est un peu pas évident à comprendre, mais je referai un live là-dessus pour le paramétrage, mais avec un paramétrage sur les points négatifs et les positifs, et on va remettre un autre. À l'envers, c'est pas évident. Un autre mix où là c'est l'inverse, c'est le 2 qui pilote le 1, avec aussi un autre pourcentage de mixage en négatif et en positif. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que quand, alors, tout est à l'envers, dans l'autre sens. Ça fait que quand je veux tourner, voilà, j'ai mes deux moteurs qui tournent comme ça. Et donc, du coup, si ça c'est mon robot qui tourne sur lui-même. Alors là, il patine un petit peu, donc forcément, hop, le rendu n'est pas forcément magnifique. Vous comprenez le principe. Et si j'avance, les deux avancent en même temps et reculent en même temps. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut mixer les deux. Et donc avoir, du coup, un pilotage hyper simple et hyper intuitif de notre système. Voilà. Alors, c'est pas très très compliqué. Aujourd'hui, des modes mix, il y en existe dans pratiquement toutes les télécommandes en fait le font. Là cette semaine j'ai testé une télécommande à 27 euros, 8 voix, donc deux voix de moins que celle-ci hein, de chez Obi King. Donc il n'y a pas d'écran, il faut la programmer sur ordinateur, donc il faut brancher ça sur un ordinateur et la programmer. Il y avait le mode mix, j'ai fait exactement la même chose. Donc ça veut dire que pour 27 balles, vous avez une télécommande qui est capable de piloter un robot de la Maker Fight. Il y a quelques interrupteurs en plus. Vous avez la possibilité de venir programmer toutes les voies, de venir programmer les courbes. Ça fonctionne du feu de Dieu. Et un ESC comme ça, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Là, c'est du 60 ampères continu, 120 ampères en pic. Donc c'est largement suffisant pour les moteurs qu'on utilise. Il y en a pour 10 balles, quoi. Moins de 10 balles. Donc là, vous avez deux moteurs, 20 balles. Vos moteurs, ils vous coûtent 15 balles pièce à démonter. Faites le calcul, pour moins de 100 euros, en fait, vous avez toute l'électronique nécessaire. Vous avez même une arme, voilà, si vous prenez un truc comme ça. Toute l'électronique nécessaire pour faire un robot de combat d'une vingtaine de kilos. Donc c'est top. Alors, franchement, voilà, c'est Monsieur Poppy, toi qui as l'habitude de faire la coupe, à mon avis, 100 euros, c'est... Il y a rarement des robots qui valent moins de 100 euros à la coupe. Ouais, c'est assez ouf, ouais, t'as raison. C'est assez ouf. Et même, tu vois, une télécommande comme ça, moi j'avais eu une promo sur Amazon, je l'ai eu à 40 balles. Ce qui est rien, quoi. Je veux dire, et en temps normal, elle coûte une soixantaine d'euros, ce qui est vraiment plus rien. Là où c'est un peu con, c'est que celle-ci est une 10 voix et elle est vendue avec, alors c'est assez souvent le cas, j'ai l'impression, mais avec un récepteur 6 voix uniquement. Donc il faut racheter la 10 voix à part. Mais honnêtement, enfin, franchement, voilà, c'est pas dingue. Après, ouais, ce que j'ai pas mis dans le prix, c'est les batteries parce que bah, ça va dépendre de ce que vous voulez prendre. Là, moi, c'est des. Alors, attention, on ne va pas faire de conneries. Hop, on va éteindre. Moi, c'est des 3S. Alors là, je sais pas ce que c'est. Oh, celle-là, c'est une vieille. Oh mon Dieu, c'est une Drain Energy.
Elle doit avoir 4 ou 5 ans celle-ci. Mais bon, n'importe quelle batterie de modélisme fait l'affaire. Et quand vous achetez vos perceuses, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des batteries dedans. Donc il y a certains qui achètent même pas de batteries, qui prennent exactement les batteries des perceuses et ils les foutent dans leur robot. Et c'est des batteries souvent NICD, donc très lentes à recharger, mais très simples à recharger. Et du coup, ils ont les batteries, les moteurs, il n'y a plus qu'à acheter ça et c'est tout quoi. Et donc, c'est assez cool. Et après, en structure mécanique, si on revient sur le robot de cette année, alors, je me perds forcément. Non. Alors, ouais, je suis désolé, je suis un peu dindon avec Windows, j'ai l'habitude de Mac et Linux et c'est toujours très très compliqué pour moi de revenir sur Windows. Voilà, nous, ce qu'on avait fait comme choix, c'était une archi en acier. Et pareil, un truc que je pensais pas, c'est que, bon, déjà, l'acier, c'est pas cher, ça je le savais, mais je savais pas à quel point c'était pas cher. Alors, vraiment, là, pour l'ensemble de l'acier, en achat, donc chez Leroy Merlin, qui sont vraiment pas les moins chers sur l'acier, j'en ai eu pour moins de 30 euros, en fait. Et finalement, quand on commence à bricoler un peu avec des gens qui font de l'acier, on se rend compte que récupérer de l'acier, c'est hyper simple. Avoir de l'acier gratos, surtout des profilés comme ça, un peu standard, c'est très très simple. Et à travailler, franchement, pareil, un poste à souder acier, il y en a beaucoup qui en ont en fait. Et à baguette, moi c'était la première fois que je soudais ça, et en fait. Ça se passe super bien, c'est hyper rigolo, c'est un peu dangereux quand même, mais ça reste, quand on a les outils adéquats, c'est vraiment vraiment très très chouette. C'est assez facile au final. Et pareil, le matos, il coûte vraiment pas grand-chose. Donc voilà, quoi. Quand on sait, après là, c'est des roues de vélo, c'est du bois, enfin c'est vraiment de l'impression 3D, il n'y a pas grand. Voilà, c'est vraiment des trucs très 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 bateau, quoi. Et même pour la coque. On avait fait une coque en PEHD, donc en polyéthylène haute densité, et ça marche super bien. C'est un plastique qui est assez dense, comment dire, qui ne se brise pas, contrairement par exemple à un plexiglas. Ah, tiens, ah oui. Contrairement à un plexiglas, ce qui fait que en fait, même quand on prend des coups très très violents, là, ah, voilà, même quand on prend des coups très très violents. Ici, là, on avait pris des coups d'une lame qui tournait, qui nous avait fait faire quand même 2-3 tours en l'air, qui avait retourné le robot. Et ben, en fait, le plexi, enfin, le plastique se casse pas. Donc, en fait, c'est un matériau qui est très peu cher, très résistant aux coups, qui va juste s'arracher, un peu fondre, et voilà. Et qui est très facilement usinable. C'est-à-dire que là, on l'a usiné en deux passes à la fraiseuse. Mais j'aurais pu faire ça à la main, ça aurait été aussi vite avec une scie. Ça va même se retravailler au cutter, enfin, c'est assez rigolo comme matériau. Et là, vous voyez, il y a un petit chanfrein là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et bien, ce petit chanfrein, pour vous dire à quel point c'est marrant, il a été fait avec des outils à ébavurer. Hop! Les outils à ébavurer, généralement c'est des outils qu'on utilise pour l'impression 3D, mais qu'on peut utiliser pour de l'usinage. Et en fait, en prenant l'outil et puis en venant ébavurer en fait les pièces, on arrive à avoir un chanfrein qui est nickel. Voilà. Pourquoi s'embêter au final? Donc voilà. Donc avec vraiment pas grand-chose hein, en termes de matos, on est vraiment sur du matos très abordable. On peut réussir à faire un robot assez chouette et à faire des trucs vraiment vraiment solides et qui tiennent quoi. Là aujourd'hui le robot, bah, on l'avait ramené à la coupe, donc il y en a certains qui l'ont vu, mais la seule différence avec cette photo-là, c'est qu'il a rouillé. Parce que forcément l'acier quand c'est pas traité, ça rouille. Mais sinon à part ça, voilà c'est vraiment vraiment très chouette. Donc voilà, donc moi je voulais vous montrer, donc c'est bien, on a pu regarder donc notre actionneur là, qui finalement ouais, c'est pas trop mal à l'intérieur, c'est plutôt propre. Je voulais vous montrer le mode mix, parce que c'est bien. Pour certains projets, ça peut être hyper intéressant. Je pense même que en dehors de la Maker Fight,
Utiliser des moteurs avec des ESC, avec là c'est des moteurs, des servomoteurs modifiés en rotation continue, mais ça pourrait être des petits moteurs. Eh ben, on peut réussir à faire des petits robots radiocommandés et pour tester un principe des fois ou quand on est dans un cadre de compétition ou même pour s'amuser en fait. Eh ben en fait c'est assez simple et c'est assez fun à faire. Par exemple, là où on a des soucis sur la radiocommande, c'est par exemple si on vouliez faire une vraie voiture radiocommandée avec le différentiel de vitesse et comment dire, le volant, là ça serait vraiment très compliqué en termes mécaniques. Là on reste sur quelque chose, finalement mécaniquement c'est très simple. Changez ça, vous mettez des gros moteurs, vissez ça sur une plaque, hop, tout ça, voilà, tout ça là, c'est votre robot. Il n'y a rien quoi. C'est vraiment. Le sachet prend plus de place, quoi. Donc, voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer ce soir de manière très cool et détendue. Donc, mission accomplie. Et en plus, mission accomplie en 1 heure, parce que j'avais dit que mes lives feraient 1 heure. Généralement, mes lives font 2 heures et demie. Donc là, je suis assez content. C'était un petit live pour regarder ça. Mais comme ça s'est bien passé, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que bah, je sais pas si vous avez des questions sur le chat. En fait, je sais même pas combien vous êtes sur le chat. Je pense que vous êtes pas beaucoup. Alors, ah non, il y a eu quand même 6 personnes à un moment. Il y a encore 6 personnes, a priori. Bah écoutez, si jamais vous avez des questions là, bah n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je vais rester un petit peu encore en live, comme d'habitude. En tout cas, là, ce que je voulais faire ce soir, bah, ça a été fait, donc c'est impeccable. Ça finit un peu le live qu'on avait eu. La semaine dernière, parce que la semaine dernière on avait un peu galéré à programmer ça avec la radiocommande avant de comprendre qu'en fait le problème c'était plutôt du côté de l'ESC. Débrancher la, hop, la batterie toujours. Donc du coup on n'avait pas pu démonter l'actionneur, c'est ce qu'on voulait faire, on n'a pas pu le faire, on l'a fait aujourd'hui, c'est cool. L'étape d'après ce serait de venir modéliser l'actionneur complet, ou en tout cas au moins une grosse partie sur Fusion pour pouvoir l'intégrer au modèle de l'année dernière et voir un petit peu en termes de débattement ce que ça peut représenter, de faire une petite simulation très rapidement. Donc la prochaine fois, ce que je ferai, à mon avis, ce sera ça. Ce sera juste modéliser la coque ici, les dimensions principales, on va dire, pour pouvoir. Juste commencer à modéliser ça et voir un peu ce que ça peut donner. Savoir si on part sur un seul ou deux moteurs. Est-ce que donc deux leviers. Est-ce qu'on part sur quelque chose de plus court, moins court. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir qu'on regarde. Et puis aussi, j'ai commandé ce matin, ça devra arriver la semaine prochaine, j'espère, deux nouvelles perceuses, visseuses. Voilà. Est-ce que je vais réussir? Ah, voilà. Impeccable. Je tombe directement dessus. Voilà. C'est exactement ces perceuses-là. Arrêtez. Voilà, il est partout. Donc c'est exactement cette perceuse-là. Donc moi j'en ai commandé deux. Et bah, la prochaine fois aussi, dans un prochain live, ce qu'on fera, c'est que je les démontrerai. Comme ça, je vous montrerai, parce qu'il y a quand même quelques petites modifs à faire sur ces montages-là. On c'est pas bien méchant, mais faut savoir le faire. Et puis on fera aussi la nouvelle, faudra qu'on fasse la nouvelle bride en fait de ces moteurs. J'ai déjà modélisé les moteurs l'année dernière. Ce qui serait intéressant cette année, ce serait de les brider autrement qu'avec des pièces imprimées en 3D, parce que celle qu'on avait faite cette année était vraiment vraiment très grosse et pas hyper hyper belle. Je sais pas si on a. Ouais, j'ai une photo. Voilà, c'est ces pièces-là, ça venait se mettre dedans.
Alors, moi, j'en étais pas complètement content, mais c'était. Donc, j'ai d'autres idées, en fait, pour ça, concrètement. Il faudra qu'on fasse deux, trois protos, mais j'ai d'autres idées. Bonsoir, Anthony Pénard. Merci de partager, c'est toujours sympa. Bah, écoute, je t'en prie. Je trouve que c'est très sympa aussi de partager avec vous. Sinon, a priori, votre robot pouvait rouler à l'envers, au cas où il était renversé. Si oui, il n'avait pas de protection métal dessous. Ah! Alors, je vais bien te poser la question. Oui et non. Effectivement, le robot, quand il était à l'envers, il pouvait rouler, continuer de rouler à l'envers. Et donc, est-ce que j'ai encore la vidéo d'ouverte? Non. Voilà. Voilà. Je vais ouvrir ça. Non. Revenir. Alors, c'était contre Tech V2. C'est la seule fois où le robot a été à l'envers. Et donc, la seule fois où on a pu tester aussi cette fonctionnalité-là. Ah voilà, alors c'est ici, attention. Tatin. Voilà, hop. Bam. C'est là où on s'est pris le plus gros coup. Et là, on se retrouve à l'envers. Et tu vois, le robot, lui, il continue à rouler. Alors c'est juste que mes réglages n'étaient pas encore bons à l'époque, c'était notre deuxième match. Et comme tu peux le voir, il y a une protection en dessous, quand même. Alors, il y a deux choses à savoir là. C'est que. Quand le robot était à l'envers, et quand ton robot est à l'envers, le gros souci c'est que sur ta télécommande, tu continues à avoir les contrôles avant, arrière, bah, du coup, qui sont inversés en fait. Et continuer à piloter ton robot comme ça, à l'envers, ça peut devenir un petit peu compliqué. Alors moi j'avais trouvé l'astuce. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à te le retrouver, mais en fait le mixage, on ne l'a pas fait sur la télécommande cette année. On l'a fait en fait. Sur bouton échappe qui ne fonctionne pas, ça c'est génial. On l'a fait directement avec un contrôleur. Alors, Mix Zetail Tank Reverse. Je vais essayer de le trouver comme ça parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, en fait, on a pris un mixeur. Qui était un peu modifié par une société. Ah oui, mais non. Alors, on va rajouter combat. Retourner la manette, ça marche pas. Alors, figure-toi qu'il y en a certains qui retournent la manette exactement. Mais nous, c'était pas effectivement ce qu'on voulait faire. Alors, il manque quelque chose. Je vais mettre Mixer Channel V. C'est horrible parce qu'en fait, ça veut. Ah bah si, c'est un mixeur V-Tail. Alors pourquoi tu ne me le trouves pas? Mixeur V-Tail, voilà! Alors le mixeur dont je vous parlais, c'était celui-ci. Et ce qu'on avait, c'était celui-là avec. Je vais le trouver. Avec un reverse dessus. Là où es-tu? Bon, bah, va falloir me croire sur parole, je le retrouve plus. Tu le vois sur les photos de toute façon. Alors non, pas sur celle-ci. Là, voilà, ça c'était notre dispositif à la fin. C'est ce petit machin-là. Voilà, ici. Et en gros, tu as tes deux voix qui arrivent dessus, donc avance et droite. Et moi, j'avais rajouté une voie qui était cet interrupteur-là, et si mon robot était retourné, ça inversait toutes mes commandes. Voilà. Donc ça, c'est quand même super chouette. J'essaierai de le retrouver, de le mettre dans la description de la vidéo, parce que ça peut vous aider à faire des robots qui peuvent se retourner. Donc, ça, il y avait ça. T'as les mains inversées, mais le sens devrait être bon, non? Alors, si tu retournes la manette. Ah oui, bah oui, effectivement, oui, t'as les mains inversées, mais le sens c'est bon. Ouais, mais alors du coup, quand t'es en match, t'as pas envie de retourner ta manette, et c'est vrai que le fait d'avoir juste un bouton pour retourner tes contrôles, ça c'est vraiment la classe. Ok, super, non, sinon, non, si tu inverses, tu auras direction à gauche et avancer, reculer de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit effectivement, monsieur Popis. Si t'inverses la manette, tu vas avoir tes mains qui sont inversées. Mais, alors, je sais, j'ai vu des participants à Maker Fight le faire. Donc, je suppose qu'ils s'en sortaient quand même,
Mais voilà, moi, l'astuce, c'était d'utiliser effectivement ce petit truc-là avec le reverse dessus. En gros, voilà, c'est la même chose que ce que je voulais montrer, mais avec une voix en plus. Et ça, bah, c'est un dispositif que je n'ai pas utilisé, mais je vous expliquerai un jour ce que c'était. Enfin, c'était un gyroscope, en fait, d'hélicoptère, mais ça n'a pas marché comme je le voulais. Et donc, on avait quand même une plaque de protection en dessous, tout simplement parce que ces petits cachotiers de MakerFight, alors où est-ce qu'elle est l'image, ont décidé à la dernière minute de rajouter des scies circulaires dans le terrain. Voilà. Et donc nous, avant, on avait juste une plaque de plastique en dessous. Et du coup, on s'est dit, les lames de scie là, on risque quand même de se faire scier notre plaque, notre plastique, parce que le plastique est quand même vachement chouette. Mais un truc auquel il ne résiste pas, c'est les lames de scie. Et donc du coup, on a été chez un copain du Fab Lab qui travaille le métal et qui nous a découpé au plasma une plaque d'acier. Oula, non, dans l'autre sens. Régispace. D'accord. Qui nous a découpé une plaque d'acier avec les ouvertures. Donc ça, c'était vraiment plutôt chouette. Et qu'on a peinte et qu'on est venu fixer après sur le robot. Donc on avait une tôle d'acier de 1,2 mm en dessous pour protéger le robot au cas où, en fait. Et on avait des petits patins téflon qui ont dégagé dès qu'on a fait nos essais sur le terrain. Donc on pensait que ça allait aider à glisser, et en fait, métal contre métal, c'est très bien. Faut pas se prendre la tête. Voilà. Ça répond à toutes vos questions, messieurs? Il y a toujours un petit décalage avec le live. J'aimerais bien quand même retrouver le mixeur Vetail, parce que c'est quand même. Comme ça, vous auriez la référence, ça serait vraiment très bien. Quand même me remettre Robot, parce que c'est comme ça que je l'avais trouvé. C'était pas chez Hobby King, j'avais trouvé ça chez un revendeur direct. Mais je le retrouverai. Hein. Me semble que c'était un revendeur canadien, mais j'ai vraiment un doute. Mtronix, ça me dit bien. Ça doit être contre-intuitif, mais en effet, marché. Super ton truc pour faire le switch. Oui, la scie qui n'a pas marché longtemps. Bah ouais, alors du coup, le fun fact, c'est que on a du coup pas intégré notre arme 2 jours avant, comme c'était prévu, parce qu'on a préféré intégrer la plaque de protection pour se protéger de la scie. Et en fait, la scie a cassé genre 2 matchs avant nous, donc on n'a jamais eu la scie. Et il y avait, si vous regardez la vidéo que j'ai fait cette année sur MakerFight, il y avait aussi un pieu qui venait sortir et qui venait éjecter les robots et les percer par le dessous. Et pareil, on l'a pas eu non plus, quoi. Donc bon, bah comme quoi, des fois. Voilà, on aurait peut-être dû quand même intégrer l'arme cette année. Mais bon, c'est pas grave, c'était rigolo. Ils nous ont fait peur. Alors, non, c'était pas chez eux. Bon, je le retrouverai pas définitivement. Mais du coup, les scies, c'est une arme assez utilisée. C'est dommage d'avoir ça comme seule faiblesse. Alors, Monsieur Poppy, les scies, c'est une arme assez utilisée. Alors, il y a des robots avec des scies, effectivement, ça existe, il y en a quelques-uns, il y en a quelques, ouais, il y a quelques-uns, il y a quelques robots comme ça. Après, j'ai pas vu encore de design véritablement efficace avec des scies, à la MakerFight, j'entends. Les designs les plus efficaces que j'ai vus à la MakerFight, c'est souvent les roues à inertie. C'est-à-dire que tu sais, c'est les roues qui vont tourner à l'avant avec un balourd, qui vont prendre du coup de la vitesse et qui vont lâcher en fait toute leur énergie au moment du choc et de l'impact. Et typiquement, c'était ça qu'on s'est pris nous sur le deuxième match, deuxième, troisième match, c'est les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc c'est vraiment efficace, tu vois, ça tourne. Et là, c'était une petite, hein, c'était pas non plus une grosse roue. Et rien que l'impact fait valdinguer un robot de 20 kilos dans les airs. Donc c'est vraiment ça le truc qui fonctionne quand même, qui fonctionne quand même le mieux, je trouve. Après, mais ça c'est plutôt mon avis.
Je trouve que les scies, c'est hyper visuel. C'est hyper, c'est vraiment dans le délire du robot de combat, si tu veux. Mais clairement, je suis pas sûr que ce soit hyper adapté. Il y a des gens qui ont mis des scies. Honnêtement, je trouve même que c'est un peu, des fois, un peu même dangereux, quoi, dans certains cas. Donc, bon, nous, on était d'abord parti sur un robot avec une roue à inertie, en fait, parce que clairement, c'est vraiment un design qui fonctionne bien. Mais le coup du robot qui se retourne, moi, voilà, ça fait partie de mon enfance. Je l'expliquais la semaine dernière. Donc, forcément, voilà, ça me fait quelque chose. J'avais envie de faire ça, quoi. Donc voilà. Mais voilà, mais si jamais il y a un design qui fonctionne, moi je serais ravi de voir un robot scier l'autre robot. Ça serait vraiment, vraiment très chouette. Oh, monsieur Kevin, ben salut Bichon. Salut. À chaque fois, on va se voir sur des trucs de robotique de manière complètement aléatoire. Alors, est-ce que je vous trouve. Oh là là, c'est dommage. C'est celui-là avec un câble en plus. Je le mettrai directement dans le channel. Ça sera vraiment vraiment plus simple parce que là je ne le retrouve. Si je mets canadienne, ouais, forcément je vais trouver des trucs complètement improbables. Ah là là, mais j'avais pas mal cherché hein. Pour ce composant-là, parce que je voulais pas le faire avec la télécommande, parce que... Ah, super, je l'ai, oui! Ok, super. Et puis en plus, RoboShop le vend. Ah, nickel. Alors, je vous mets le bureau. Voilà, c'est Fingertech qui fait ça. Ah, voilà. Et est-ce que ça va se charger? Yes. Du coup, vous voyez, il y a les deux voies, et en plus, la dernière voie, qui elle vient se brancher sur... vous branchez ça sur... Le petit bouton pour le reverse. Et encore une fois, hein, je sais plus qui disait que c'était pas très cher, etc. Mais voilà, ça, 14 $. Hein, je sais pas s'ils l'ont sur le store. Le problème avec RoboShop, c'est les stores différents. Bah, ils l'ont. Ah, bah, ça m'aurait épargné des frais de transport, ça, tiens. J'en ai eu pour quelques. Bon, bah, voilà. Impeccable. Vous l'avez, 15 balles. Les scies pour moi c'est comme les lance-flammes. C'est pas efficace mais c'est vachement dans l'esprit. Ouais, c'est exactement ça. En fait, t'es dans le pur spectacle. C'est-à-dire que tu vois un lance-flamme, tu fais putain c'est génial, c'est un vrai combat de robot. Tu vois des grosses scies. Il y avait un robot à la Maker Faid qui avait une scie mais gigantesque. Et c'est vrai que quand t'arrives, même toi en tant que concepteur, t'as ce premier réflexe de te dire si on tombe contre lui, on va se faire défoncer. Et en fait, bah non, parce que ça a plein de défauts et que bah tu peux les piloter, enfin tu peux les contourner par d'autres manières en fait. Mais c'est impressionnant. C'est comme tu dis, c'est dans l'esprit. Et quand tu regardes une arène de combat de Robot Wars, c'est exactement ça. Alors, on va être YouTube. Robot Wars. Wars. Si tu as déjà vu ce truc-là, ben voilà, la première image que tu vois, voilà, je l'invente pas, c'est il y a du feu, il y a des trucs comme ça, c'est génial, et ils sont à fond, et voilà, et sur l'arène, alors, ce qu'on va me montrer, voilà, dans les arènes de ce type-là, alors, faut comprendre un truc, c'est que ces robots-là, ils font environ 110 kilos, hein, d'accord? Donc là, vous avez, il y a des lance-flammes. Là, il y a alors là, de ce côté-là, ça tombe. Ouais, c'est ça. De ce côté-là, ça descend. Et donc, du coup, si le robot tombe dedans, bah, il peut plus bouger. Là, il y a des pieux qui sortent. Voilà. Et, ou là, je sais plus. Et, donc, l'un ou l'autre, il y a aussi une pente qui éjecte le robot. Donc, la pente peut faire beaucoup de mal. Les flammes, effectivement, si tu restes grillé sur le machin, oui, je pense qu'effectivement ça peut te faire beaucoup de mal, mais c'est plutôt pour le spectacle. Je suis d'accord. Et bah, ça tombe bien, je tombe sur des roues à inertie. Alors,
Voilà, là, il y a deux designs de roues inertie. Tu en as une comme ça, qui est dans l'axe du robot. Et il y en a une autre, là, c'est un peu le même principe que Tombstone. Voilà, c'est ça. On appelle un bar spinner, où tu as une barre à l'avant du robot qui tourne ça, très rapidement, qui est très lourde. Et alors là, on est vraiment dans... On emmagasine de l'énergie, et puis bam, on va venir taper dedans. Mais ça fait... Alors, le problème de ces robots-là, c'est que ça fait très mal, mais ça peut faire aussi très très mal à ton robot. Alors, je sais pas si on va avoir une idée du choc. Ouais, ça c'est un crusher. Voilà. Donc tu vois, là, il tourne. Allons-y, allons-y. Alors, il fait pas beaucoup mal, mais alors, j'aimerais bien voir un petit choc quand même. Bon, on verra pas grand-chose. Voilà. Là. Ça, c'est un autre design aussi de roue à inertie. C'est plutôt le design qu'on a eu nous cette année à la Maker Faire. Voilà, on est vraiment dans le spectacle, quoi. En France, il y a un semblant de match comme celui que tu as fait, mais y en a-t-il d'autres? Alors en France, effectivement, tu as la Maker Fight, auquel moi j'ai participé cette année et où j'ai fait des vidéos les 2 années précédentes. J'ai pas connaissance d'autres combats de ce type en France. Ceux qui pourraient plus te répondre, c'est les gars du Fab Lab de Mulhouse. Mais de l'ampleur de la Maker Fight, je ne pense pas. Mais ça, voilà, ça serait à vérifier. Après, il y a des combats qui, comment dire, qui sont des combats plutôt de mini-robots, en fait. Voilà. Mais du vrai combat de robots, bah déjà à plus de 20 kilos, t'en as pas. T'as la Maker Fight à 20 kilos, et en 100 kilos, j'ai pas connaissance. J'ai pas connaissance. Beau boulot en tout cas, bravo et Monsieur DE pour 2020. Monsieur DE pour 2020. MDE. J'ai pas compris, Anthony. J'ai pas compris ce que t'as voulu dire. Ah, merde! Ah, oui! Ok! D'accord. Oh. C'est le soir. Bah ouais, 2020. Alors, ils m'ont charrié avec ça à Mulhouse. Ils m'ont dit que personne n'avait réussi à garder son titre depuis le début de la Maker Fight. Donc, on a gagné l'année dernière. La logique voudrait qu'on ne gagne pas cette année, mais ça ne nous empêchera pas de le refaire. Et alors, on se demandait jusqu'à la semaine dernière si on détruisait l'ancien robot. Et on en faisait un nouveau à partir de l'ancien, ou si on l'améliorait. Et là, du coup, on a décidé qu'il y avait une troisième solution, c'est qu'on le gardait, celui-là, on n'y touchait pas, on le gardait tel quel pour aller faire la compétition cette année, et qu'on en refaisait un nouveau, mais avec un design amélioré. Comme ça, on aurait deux équipes. Donc, deux équipes, 2 fois plus de chance. Je sais pas. mais bon voilà. Donc non, on s'est dit qu'on en aurait eu un. On va en garder un qui bougera pas du coup. J'ai vu des petits trucs de robots sumo, Micro Mouse, mais rien de très grand, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, on va avoir du petit robot, du robot sumo, du Antweight, mais pas de ce gabarit-là. En tout cas, pas de 100 kilos, quoi. C'est en France, voilà, ça on le trouvera pas. On trouvera du 20 kilos à Mulhouse, mais c'est tout quoi. J'adorerais faire du Micro Mouse. Ouais, moi aussi. En fait, j'adorerais organiser des combats de ce qu'ils appellent les Antweight en robot de combat. Je trouve ça trop drôle. C'est le même principe, sauf que les robots ils sont minuscules. Et du coup, je trouve ça assez drôle. Voilà, c'est exactement le même principe, mais les robots sont, voilà, sont tout petits. Et ça va vite, c'est assez impressionnant. Et du coup, ça permet de faire des arènes très 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 drôles. Du coup, des arènes vraiment piégées, parce que faire une arène piégée pour des robots de 20 kilos, c'est quand même du taf, quoi. Et il faut quand même que ce soit protégé, il y a des questions de sécurité, etc. Là, faire des mini-arènes comme ça. Bah c'est de l'ordre du possible et c'est quand même vraiment très très fun. Et alors là, du coup, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que le mec,
Ah, c'est génial ça. Attendez, c'est juste que je vais réussir à vous le prouver. Robot Wars, série 1. Même pas l'épisode 1, moi je veux le tout premier. Il a reproduit en fait, je viens de comprendre, l'arène du premier Robot Wars. Oh, c'est drôle. C'est beau, en tout cas, c'est bien fait. Je sais pas s'il fait du micro dedans, mais ça serait vraiment très drôle. Donc ouais, moi j'aimerais bien faire du micro, c'est rigolo et c'est vraiment pas dur, vous voyez. Il n'y a pas grand chose à faire. Exactement, voilà, ça c'est exactement ce dont il y a besoin pour faire du Antweight, quoi. C'est deux moteurs. Alors eux, ils ont mis les ESC directement sur le moteur. J'imagine que ça doit se faire maintenant. Ça, j'avais pas encore vu. Et puis le micro-récepteur, une petite batterie, des roues. Allez, c'est parti. Un petit servo moteur. Voyez, c'est tout mignon. Il y a des petits trucs rigolos là. Et des trucs un peu plus violents même. Voilà. Parce que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que comment ça, en niveau technologie, ça a quand même un peu évolué. Et autant à l'époque, il y avait souvent et surtout du moteur à courant continu. Aujourd'hui, avec les brushless qui, en termes de prix, sont vachement tombés, dû à la techno et puis aussi à l'essor des drones, à plein de trucs, on trouve des combos ESC plus moteur brushless en indoor. Qui coûte une trentaine d'euros. Et franchement, alors pour des gros trucs, donc du coup, ça peut devenir très 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 intéressant de commencer à faire des robots comme ça en moteur brushless. Bon, techniquement, moi je vais rester en continu, mais il y avait du brushless cette année à la compétition. Non, le Rantwait, c'est rigolo. C'est rigolo. Et du coup, avec tout ce que je vous ai montré en début de live, enfin en milieu de live, là, avec les servomoteurs, il y a moyen de faire du. Alors, c'est pas du Antweight, c'est un petit peu plus, mais des petits robots comme ça et de faire des micro-compétitions. Et ça peut rester dans un esprit très, 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 très chouette. Les arènes en Antweight, d'ailleurs, sont. Voilà, ça, c'est une arène typique de Antweight, où il y a des trous, en fait. Donc, le principe, c'est effectivement, on vient expulser le robot à l'extérieur. Et puis là, vous voyez, de quelques moteurs, là c'est de l'impression 3D pour gagner de la place. Et il y a des trucs rigolos, quoi. Là, c'est. Il va y avoir un petit marteau et tout. Non, non, ça peut être très fun. Ça peut être très fun. Hop. Donc voilà. Écoutez, je sais pas si on va pas se lancer, vu l'heure, sur un nouveau sujet. Surtout que j'avais dit que je parlerais un petit peu de la Coupe de France, mais en fait, je vous avoue que je sais pas par quoi commencer sur le robot de la Coupe. Alors, il y a plusieurs sujets. Ceux qui me suivent en live savent que, comme je suis dans la commission, je me refuse à travailler sur la Coupe. Mais bon, faire se déplacer un robot, ça, et comment dire, calibrer les robots, c'est quand même pas sorcier, mais bon, voilà, dans ma tête, je me refuse quand même à travailler dessus. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de répondre à des questions. J'ai un des robots qui est là. Ouh. Donc, si jamais il y avait des gens qui avaient des questions sur le robot de cette année, qu'ils n'avaient pas pu poser sur le live, le premier live, ou que j'ai croisé à la coupe, qui ont pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de discuter, ou qui ont envie de savoir des trucs sur le robot, bah voilà, faut pas hésiter. Il sera là pendant quelques mois chez moi, donc sur les lives, je pourrais commencer à bosser à partir de septembre, quand on aura la date de la présentation du règlement. Et puis voilà, si on voulait faire des essais ou que je vous montre des choses dessus, il n'y a aucun souci que je le démonte aussi, potentiellement, parce que l'idée c'est qu'on garde le même cette année, enfin les deux mêmes, parce que voilà, on a deux jumeaux en fait, exactement pareil, à part sur les actionnaires. L'idée c'est de capitaliser un petit peu, parce que cette année et l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de temps entre la Maker Fight, ça.
Et puis moi j'ai fait la Fab Academy et il y a eu aussi il y a le boulot et puis la famille, enfin bref, une vie bien remplie. Du coup on voulait quand même se garder un peu de temps, mais du coup voilà, si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter. Donc je rappelle, on fait des robots nous avec des moteurs pas à pas alors depuis cette année c'est des ventouses pour les actionnaires, ça fonctionne super bien, et du Teensy pour la programmation, pour la partie intelligence, voilà, globalement avec une structure MakerBeam et une structure acrylique. Donc si vous avez des questions là, écoutez, il y a pas de souci. Si jamais c'est pas le cas, on peut s'arrêter là pour le live. Attends un petit peu. Et puis gardez ça pour la prochaine fois. C'est un lidar en haut. Eh ben non, c'est pas un lidar. Ah, j'aurais aimé. Mais c'est des OPB 720. Donc OPB 720, OPB 720. Donc c'est des capteurs en fait, un bureau, voilà, de chez Optek. Donc c'est ces petites bestioles là qui sont des capteurs réfléchissants. Il y en existe trois versions selon la distance à laquelle ils prennent en réflexion. L'idée c'est que nous on pose, tu vois, des balises comme ça réfléchissantes dessus. C'est du tout ou rien. On fait tourner en fait, basiquement droite gauche, et on récupère si on voit ou pas la balise. On l'utilise de manière très simple, c'est-à-dire que c'est du tout ou rien, c'est on voit, on voit pas à environ 80 cm. C'est énorme, mais pour notre usage c'est suffisant parce que derrière il faut qu'on puisse freiner, ralentir, s'arrêter. Donc et comme nos robots vont pas si vite que ça. Enfin, allez pas si vite que ça jusqu'à la fin de la coupe. Là, ils vont beaucoup trop vite pour les capteurs, en fait. Il faut qu'on change de techno. Mais comme nos robots allaient pas si vite que ça, finalement, ça suffit largement. Donc, tu vois, ils sont pointés. Ben non, tu vois pas. Parce que c'est. J'ai pas optimisé le live pour ça. Mais ils sont pointés, en fait, vers le haut. Comme ça. Et il y a un servomoteur à l'intérieur. Et un microcontrôleur soudé sur une platine très rapidement. Voilà, qui a juste un programme très simple de quand je suis activé, gauche-droite, quand je suis désactivé, je m'arrête, je remets une position de repos. Et puis voilà, la balise qu'on pose sur l'adversaire. C'est une technique qu'on utilise depuis, je sais pas, depuis combien de temps j'utilise ça à la coupe. Je pense que ça va faire 5-6 ans, à mon avis. 5 ans, au moins. Et franchement, ça marche super bien. Par contre, ça marche bien quand tu as des robots qui sont lents. À partir du moment où ils deviennent un tout petit peu rapides, là, comme nous, on avait à la fin de la compète. Ça devient très limite. Et comme nous, on voudra augmenter un petit peu la vitesse, parce qu'on peut le faire, ça vaut plus vraiment le coup. Donc, on est en train de réfléchir à autre chose. Et si tu suis le live que je ferai sur la Fab Academy, tu apprendras. Hop! En fait, c'était mon projet de Fab Academy de faire un lidar, entre guillemets, à partir de balises réfléchissantes, en utilisant le même capteur, en fait. Donc l'idée c'était de passer sur quelque chose de très très peu cher en fait, parce que ce capteur-là il doit coûter 9-10 € avec il y a une version laser qui voit à plus d'un mètre, donc très largement suffisant pour nous. Et en fait on venait le placer à l'intérieur, il y avait un miroir au-dessus, on le faisait tourner, il y avait des aimants pour repérer la position et on récupérait du coup l'angle. Entre le moment où on a détecté, plus détecté la balise, et on en déduisait la distance. Sur le principe, ça marche. En pratique, ce qui se passe, c'est que ce capteur-là, au niveau de l'optique, en fait, il a. Enfin, c'est pas un cylindre ou un cône parfait. C'est plutôt une forme un peu à la con, comme ça. De détection, ce qui fait que quand tu tournes, tu détectes pas à la même distance un objet qui est sur le même rayon. Donc, en termes de traitement, un truc qui est pas très cher, qui a l'air simple comme ça en tout ou rien,
Bah en fait, c'était dans les choux et mais c'était un bon projet. Ça a été assez rigolo à faire et j'ai appris pas mal de trucs là-dessus. Mais bon, j'en reparlerai au niveau de la Fab Academy du coup. On veut des infos sur le sujet de 2020. Bah écoute, avec plaisir. Tu as des infos sur le site de la Coupe de France de robotique? T'indique le sujet. Regarde. Voilà, dans les news, il y a. Voilà, qu'est-ce que c'est? Dans les news, toute l'actualité. Ah, je troll un peu, ouais, je sais. Présentation du thème. Voilà, regarde, il y a Sell the World avec la présentation en PDF. Avec toute la présentation du sujet. Comme d'habitude en fait, sauf que bon voilà, on l'a pas fait en live et ça arrive un peu plus tard que prévu. Et voilà, des exclus, des exclus. Je ne pourrais pas, tu sais. Je suis tenu au secret professionnel, n'est-ce pas, Alexandre Nesnes? Salut. Alors moi j'ai une question quand même, Alex. Est-ce que tu viens d'apparaître sur le live ou alors juste à ce moment-là, ou est-ce que tu es là depuis le début et tu attends tapis dans l'ombre? Donc non, pas d'exclus. Regarde, il y a toutes les infos, et toutes les infos ici sur ce nouveau sujet pour l'année prochaine, Save the World. Et alors je peux même pas faire d'erreur au niveau du live sur mon PC, puisque c'est même pas le PC sur lequel je bosse quand je bosse pour la commission. Donc je suis une tombe, voilà, autant personnelle que technologique. Ça ne fait que 10 minutes que je suis connecté. Là, tu tombes bien, tu tombes bien. Non, mais de toute façon, là, on est quoi? On est le 16 août. Voilà, généralement, les présentations du règlement, elles se font fin septembre. Vous n'avez pas longtemps à attendre, à mon avis, puis de toute façon, ça vous avancerait pas à grand-chose. Tu peux faire des pronostics en tant que participant en admettant que tu fais partie de la commission? Oh! Voilà, le mec, il me demande de me splitter en deux, de splitter mon cerveau. C'est déjà avec un seul cerveau, j'ai du mal à m'en sortir. Bah non, je peux pas. Moi, je pense que cette année, il y aura des turbines. Autour, parce que c'est Sail the World, tu vois. Il y aura des turbines autour de la table et il y aura de la flotte, parce qu'on a vu que vous avez bien aimé l'eau sur les terrains il y a une époque. Et donc, du coup, il y aura de l'eau sur le terrain avec des turbines. Ce sera pas des robots, ce sera, enfin, si, ce sera des robots, mais il faudra faire des. Bah, voilà, que ce soit uniquement piloté avec des voiles, hein, tu vois, Sail the World, quoi. Non? Bon. Je tentais, hein. Salut Alf, c'est pareil, tu arrives au bon moment, toi. De l'eau salée, sinon rien. Ah, ce running gag de l'eau salée. Écoute, moi, oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Parce que s'il n'y a pas d'eau salée, c'est pas logique, quoi. C'est plus dans le thème. Voilà, où va le monde, quoi. Good. Parleur de la machine à vagues et de la pluie. Ah bah, oh non, mais tu spoiles tout là. Tu spoil tout, mais non, mais non, mais là, vous avez remarqué, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai pas parlé de machine à vagues et de pluie, hein. Voilà. Mais oui, effectivement, machine à vagues et de pluie. Bah ouais, il va falloir gestion de la météo, gestion du courant aussi. Ouais, ça va être hyper intéressant. Faire des bateaux ou aéroglisseurs. Pas de roues. Ah ouais. Mais alors, du coup, moi, je me. Parce que, parlons de quelque chose quand même, c'est que je trouve que dans la coupe, depuis quelques années, on a moins quand même de robots fun. Il y a des équipes qui quand même réussissent à rester dans le thème et faire des robots qui rentrent dans le thème particulier, qui la jouent roleplay, comme ils disez. Mais là, cette année, du coup, moi, j'attends mon bateau, quoi. Là, les gars, il faut faire un aéroglisseur ou un bateau, il faut faire quelque chose, quoi. Là, moi, il n'y a pas, quoi. Moi, je veux voir du bateau sur la table, quoi.
Il y aura un easter egg pour faire apparaître un mégalodon sur le terrain. Alors, on y a pensé, mais le problème c'est que bah, déjà de une, les animaux vivants, dans le règlement, on n'a pas le droit. Et puis de deux, bah, le mégalodon, ça fait un peu plus de 2 mètres par 3. Du coup, tu vois, problème d'ordre organisationnel, plutôt. Voilà. Mais pourquoi pas, hein? Mais en petit. Mais si tu veux faire un robot mégalodon, il y a des dessins d'artistes sur le mégalodon, j'imagine. Ouais, il y a des trucs. Ouais, c'est un gros machin. Ouais, pourquoi pas. Si tu veux, on pourra mettre un cerveau avec une petite vague au bout. En mode. Montgolfière non plus pour le tour du monde en 80 jours. Oh, et ça serait un beau sujet, ça. Ça serait un beau sujet. Le tour du monde en 80 jours. Ouais. Il y a des choses à faire. Ne me tente pas. Ah ouais, mais je sais que tu vas refaire un robot, tu vois, en acrylique, rouge. Non? Non, après, voilà, c'est toi qui vois, hein. Si tu veux sortir un peu des sentiers battus, tu peux faire un truc avec un mégalodon dessus. Hein. Sais pas s'il y a des trucs. Non mais ouais, voilà. Non mais c'est sûr que ce sera un terrain avec de l'eau partout, avec des grosses turbines pour faire du vent. Voilà, ça va être dantesque, dantesque. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Planète Science sur le chat qui peut dire que ce que je dis c'est vrai, comme ça exclut, on split la team en deux pour avoir trois robots. C'est une exclue, Alf, ou c'est genre c'est une exclue de ce soir, ou attends, on split la team en deux pour avoir deux robots, trois robots. C'est-à-dire que t'as quoi? T'as deux robots dans une équipe, un robot dans l'autre équipe, c'est ça? Comment vous faites? Monsieur Mopi, le terrain qui se lève de temps en temps pour simuler les vagues. Ah bah oui! Bah oui. Actionné par les arbitres, avec une petite manette. Comme ça. De manière alternative. C'est pas encore officialisé. D'accord, ok. Ok. Mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt de splitter la team pour avoir trois robots? Parce que si tu splits une team, tu pourrais avoir quatre robots, non? Deux dans une team, deux dans l'autre, non? Après, c'est peut-être un peu. Enfin, après, ouais, ça fait quatre robots à faire. C'est un peu la violence, quoi. Et ça me serait, ça me toute plus logique. C'est vrai que les vagues, Alex, il est encore le temps de le rajouter dans le règlement. On change tout. On change tout la dernière minute. On enlève tout. On va se recentrer sur des genoux et laisser les anciens s'amuser sans pénaliser les jeunes avec. Attends, tu me dis, on va se recentrer sur des genoux et laisser les anciens s'amuser sans pénaliser les jeunes avec les restrictions de la CDR. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais dans l'idée, tu m'avais pas dit que c'était la dernière année où tu pouvais participer, où tu avais moins de 30 ans, ou je sais pas, il n'y avait pas une histoire comme ça aussi? Bon, parce que nous, en fait, on est grillés déjà. On a plus de 30 ans, c'est mort. Déjà, la semaine l'année prochaine, on peut plus accéder aux phases finales. Donc. Finalement, plus de phare, mais un mégalodon à tuer. Là, ouais, les armes sont libres. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Par contre, on est d'accord qu'il ne faut pas abîmer la table. Hein. Attention. Hein. Donc, si vous envoyez un harpon, vous l'envoyez sur le mégalodon. Si ça tombe à côté, c'est pénalité, quoi.
Oui, je suis genou en 2020, plus en 2021. Ah! Ah, bah 2020, c'est bon en fait. Ah oui, donc, oui, donc effectivement, donc l'année prochaine, c'est ta dernière année en tant que jeune. C'est le jeune Planète Science. Va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour ça. Enfin, pour ça. Bien pour garder. Comment une compétition où tu as des plus de 30 ans qui peuvent aussi faire, je sais pas moi, une finale ou un prix spécial ou enfin voilà quoi, parce que je pense que ça cloisonnerait moins le truc quoi, de se dire voilà, on accepte tout le monde, mais il y a plusieurs, peut-être plusieurs finales, j'en sais rien, mais je trouve que c'est une situation qui est un petit peu, moi qui me déplaît un petit peu. Alors, pas parce que on est à plus de 30 ans et que de toute façon on ne peut plus accéder aux phases. Ça, je trouve ça limite assez normal, parce que c'est le règlement et qu'on l'a accepté. Mais du coup, pour ceux qui ont envie de continuer à faire de la robotique, et puis continuer à avoir un peu de challenge, il va falloir qu'on réfléchisse à quelque chose. Quand je dis on, pas du côté Planète Science, je parle on. Les équipes, les bénévoles, l'ensemble de la communauté qui tourne et qui gravite autour de la Coupe de France, quoi. Parce que je suis d'accord avec beaucoup, c'est que la réponse comme quoi il faut monter une équipe de jeunes ou devenir bénévole chez Planète Science, ça n'est pas forcément acceptable quand tu as envie de continuer à fabriquer des robots, quoi, en fait. Plusieurs équipes cette année ont été dans ce cas, au moins deux, je crois. Ah bah. Non, alors je. Au moins deux, ouais, ça c'est sûr. Je dirais même beaucoup plus que ça, en fait, pour le coup. Bah écoute, c'est très simple. On a fini à quelle place, nous, déjà? Tiens, je me souviens même plus. Alors, c'est génial. Ah oui, on a fini 20e. On a fini 20e et 18, non. On a fini 20e et on aurait pu accéder aux phases finales et on était à genre 5 points ou 1 point de Robotech Legend qui était au-dessus de nous, en fait, qui était 19e. Donc du coup, ça veut dire que 19... T'avais au moins quatre équipes qui étaient dans ce cas-là, quoi. Trois, on était en phase finale grâce à ça. Ah, donc c'est trois. Ok, d'accord. Donc trois, ouais, parce que tu dois avoir les égalités. Oui, donc, mais non, non, t'as raison, c'est ça. Trois, du coup. Ouais, donc ça. Et après, j'ai peur que ça. Si jamais on continue à avoir des équipes quand même de plus de 30 ans, ça continue d'augmenter, ce ratio. Bon, je saurais pas dire. Je saurais pas dire comment faire. En fait, j'ai pas de solution miracle pour ça. Bon. Je sens qu'il y a quand même, il y a quand même un malaise un petit peu par rapport à ces questions-là. Et je puis. Mais je vois même que certaines équipes, voilà, même si elles en rient un peu jeunes, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu problématique. Et après, aussi, le fait de dire il y a d'autres compétitions de robotique en France, oui, mais il n'y a pas d'autres compétitions de robotique comme la Coupe de France de robotique. Et je pense que ça veut dire quand même quelque chose. Donc je sais pas. Hein. Je sais pas. En tout cas, ce serait. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se fassent là-dessus. Mais ça, on peut difficilement, je pense, avoir une prise dessus. Sauf à proposer quelque chose à plusieurs équipes et à proposer ça à Planète Science, à mon avis. Et à être d'accord tous ensemble pour organiser quelque chose. Bon, en tout cas, clairement. C'est pas du tout le rôle de la commission règlement. Voilà. Si jamais la question devait être posée, c'est pas du tout notre rôle. Ouh.
Voilà. Ceci dit, bah finalement, on aura quand même parlé bien de la coupe. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va... alors, à moins qu'il y ait encore débat, questions, des choses sur lesquelles vous voulez discuter ce soir. Sinon, on peut s'arrêter là. C'est à vous de voir. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être un peu dans une salle de classe, sauf que vous êtes chacun de l'autre côté de votre écran. Et c'est un peu comme je sais pas, le maître d'école qui pose une question et tout le monde se regarde. Là, j'ai un peu cette même impression-là, comme je donne des cours. Sauf qu'en fait, c'est très étrange parce qu'on est chacun devant un écran. Du coup, personne ne se regarde en fait. C'est ça qui est très drôle. Merci, bonne soirée. Eh ben écoute, bonne soirée à toi aussi, Anthony. Et puis à bientôt. Bah moi je vais en profiter si jamais il y a rien de plus. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, comme je disais en introduction, ça devait être normalement un live sur la Fab Academy. J'avais peur que mon réseau soit trop mauvais pour pouvoir assurer un live complet. J'ai préféré faire ce live-là. Mais la prochaine fois, normalement, ce sera le live sur la Fab Academy. Alors, Alex, d'un coup, alors, déjà, je vais dire bonne soirée et merci à André, qui s'en va aussi. À bientôt. Alex, rapidement, à quelle fréquence ta tourelle de mesure? Tourelle mesure un même angle. Tu parles de celle-là ou tu parles de celle-là, la nouvelle? L'ancienne ou la nouvelle? Alf, moi je suis arrivé tellement à la bourre que je ne prétends à rien. Enfin, le live il commence à 22, hein. Après je peux difficilement aller plus tard, ça va vite devenir compliqué. Alex, sur le robot. J'en ai aucune idée. Je pourrais te le calculer avec la fréquence d'un cerveau moteur. Ben attends, si. En vrai, on va faire un truc très simple. Je vais chercher une batterie, je le branche, tu vas regarder à peu près. Je dirais pas que tu vas le calculer sur le live, mais ce sera pas très loin. Au moins, tu verras de quel ordre l'idée c'est. Donc, je cherche mes batteries. Ouais. Batterie. Alors. Hop! RTF. Attends, RTFM? Que me dis-tu là, Alf? Hop! Oula! Ah oui, c'est vrai qu'on avait modifié des trucs. Voilà. Alors, un truc qu'on va changer quand même sur ce robot, parce qu'on va quand même changer des trucs, ce serait bien, c'est cette trappe batterie. Parce que, autant l'aimantation de la trappe batterie, ça marche super bien, autant l'enceinte batterie est vraiment pas. Read the fucking manual. Ah, ouais. TFM. Mais. C'est fabrication maison, Alf. C'est pas un lidar, en fait. Par contre, il faut que je le surélève pour éviter qu'il se barre. T'as pas fait de doc, c'est pas bien. Alors. Hop. Ah. Je sais pas
pas si c'est elle. Ah, par contre, là, je crois qu'il est en mode démon. Ah oui. Ah, parce qu'il est... Il est en mode où il tourne sur lui-même pour faire une vidéo, en fait. Voilà. Enfin, si ça t'a suffi pour voir à peu près ce que ça fait. Avec celui, je fais des tests expérimentaux sur la mienne pour voir la vitesse que je dois lui faire atteindre. Du coup, la tienne est une bonne référence. 300 millisecondes environ. Ouais, ça doit être ça. De mémoire... Ouais, faudrait que je réouvre mon com, mais je l'ai pas sur ce PC-là, en fait. En fait, le problème, c'est que j'ai pas fait la doc. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ma doc, c'est mon code commenté. Voilà. Quand même. Mais encore faut-il avoir le code. Et comme je ne l'ai pas repoussé sur GitHub depuis mes commentaires, eh bien... ça, par contre, c'est pas bien. Parce que si demain mon PC... Tiens, je vais peut-être le faire ce soir d'ailleurs. Je vais peut-être envoyer quelqu'un pousser mon code. Belle pirouette sur la doc. Bah, après, la doc sur le code, tu vois, quand t'es deux ou trois dans une équipe. Et que c'est toujours la même chose, les mêmes personnes qui font à peu près le code. En fait, bah tu commentes à balle ton code et ça te permet en fait de quand tu le relis un an après, souvent c'est ça, de savoir à peu près ce qui s'est passé quoi. Alors les morceaux de code que j'ai refait cette année, par exemple, c'était des morceaux de code que j'avais pas commenté l'année dernière, qui je pense fonctionnait parce que j'avais pas eu de soucis, mais j'avais plus aucun moyen de comprendre comment ça fonctionnait. Honnêtement, même en relisant, je n'arrivais même plus à comprendre comment ça marchait parce que entre-temps, moi j'ai appris des nouveaux trucs en code et j'ai modifié ma manière de coder. Et alors là, du coup, relire des vieux trucs comme ça, c'était en plus ça sentait le 4 heures du matin, donc voilà. Mais du coup, ouais, voilà, on commente à balle quoi, pour être sûr. Et je sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais je mettais ça dans mes codes au bout d'un moment. C'est un formalisme spécifique et ça te génère après de la doc sur ton code en fait. Tu commentes avec un truc particulier, après ça te génère la doc. Je le fais plus trop maintenant parce que j'utilise d'autres trucs pour pouvoir générer mes docs. Au boulot en tout cas, mais c'était pas mal. Ouais c'était alors c'était pas Javadoc parce que c'était pas mais c'était un peu le même principe que Javadoc, ouais, c'est ça. Merci Doxygène, merci Alex, c'est quand même vachement pratique pour le coup. Mais voilà, donc le but, c'est généralement ça que je fais pour mes codes à moi quoi. Alf, ça fait un bel écho à mes collègues au boulot aujourd'hui, à croire que tout le monde fait pareil. De faire quoi? De ne pas faire de doc ou de commenter uniquement ses codes? Je sais pas si tout le monde fait pareil. Bah souvent, tu vois, quand j'ouvre des repos GitHub ou autre, bah alors la doc, bien souvent, c'est un README et puis c'est tout. Et encore, généralement, quand il y a un README, quoi. Et puis après, en fait, j'ouvre le code et puis je regarde les commentaires, quoi. Et quand c'est à peu près bien foutu, en fait, ça se passe plutôt bien, en fait. Ça se passe même mieux. Souvent, j'ai ça. De faire passer la doc dans les commentaires du code. Bah ouais, parce qu'en fait, comme ça, t'as qu'un seul fichier, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que tu donnes ton code est commenté, tu récupères la doc dedans, quoi, en fait. Mais il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un formalisme. Quand c'est la coupe, en fait, on n'a pas beaucoup de code dans nos robots, hein, faut dire ce qui est. Nos robots, ils sont quand même relativement simples. Donc, tu relis, tu repasses vite fait les fonctions. Tu t'y retrouves assez facilement. Quand je fais ça pour mon boulot, on a un formalisme avec mon collègue où on s'accorde parce que comme on touche des fois tous les deux au code, voilà, on essaye de ce qu'on n'avait pas trop avant, quoi, en fait. Le formalisme. Mais ouais. Je sais pas si c'est la norme. Je suis moins issu de ce milieu-là que du monde électronique, donc forcément.
Je fais un peu ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que les gars, ils commentent et ils doquent dans le code directement, quoi. Bah, je demanderai, tiens, à mes collègues qui font du dev ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais je pense qu'ils font la même chose aussi, quoi. Ils font la même chose aussi. Comme ça, quand ils poussent le code et la doc, quoi, en même temps. Mais toi, ça te chagrine d'avoir la doc dans le code directement? Bon, du code libre, c'est quand même vachement pratique, quoi. J'avais des onglets avec le mégalodon et tout. Demandez ce que j'ai fait. Non. Non. Ouais, ok. Non. Je regrette juste de pas pouvoir faire la même chose avec mes fichiers solides. Ah ouais. Oh bah alors, putain, c'est marrant que t'en parles. Parce que. Alors nous, on bosse sous Fusion. Et là, j'ai refait tout un projet les 2 derniers jours comment dire, en squelette. Et j'avais envie de le documenter. Parce que je revenais d'une grosse session de code où je faisais justement beaucoup de doc. Et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait aussi de ne pas pouvoir le faire sous SolidWorks. De ne pas pouvoir. Je ne sais pas mettre des notes, enfin sous SolidWorks, sous Fusion, mais en tout cas dans les logiciels de 3D, je ne sais pas mettre des notes à un certain endroit, de mettre des. Enfin, je ne sais pas ce que ça pourrait prendre comme image en termes de GUI, mais ça m'a manqué aussi, ouais, je suis assez d'accord. Alors, forcément, tu as tes. Moi, j'ai mes paramètres, avec les docs à côté des paramètres, avec les commentaires sur les paramètres, mais. C'est pas suffisant, quoi. Ouais, j'aimerais bien aussi pouvoir documenter mes pièces et mes assemblages, quoi. Et des fois, des paramètres que j'ai mis à certains endroits ou des logiques que j'ai eues à un moment et que quand tu reprends ton esquisse 3 mois après, voilà, que tu puisses recomprendre comment ça marche. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord et je sais pas pourquoi ça a jamais été implémenté. Alors, sous SolidWorks, je sais que c'est pas possible. Sous Fusion, t'as les annotations que tu peux faire sur la partie web. Ça, c'est pas mal. C'est genre, tu ouvres ton fichier dans le navigateur, sur ton interface Autodesk A360, et tu peux pointer des endroits avec des numéros, et puis mettre des annotations. Mais ça reste. Ouais, tu peux mettre des annotations sous SolidWorks. Ouais, bah, ça reste à peu près ça. Pareil sous Fusion, mais. Ça n'a pas le même pouvoir que de commenter un code, je trouve. Il manque quelque chose. J'arriverai pas à savoir quoi, mais effectivement, ça m'a monté. Et c'est flottant sur le fichier. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, effectivement, il manque quelque chose. Et j'ai été formé sous Katia, je me souviens pas qu'on ait parlé de ça. J'ai fait très peu de Katia après, donc je me souviens pas s'ils ont cette logique-là. Mais ouais, sur les fichiers 3D. Après. Ouais, voilà. Alors après, effectivement, si tu fais un plan, là, tu peux te lâcher, tu peux expliquer comment ça va. Là, le plan, il va te permettre de faire ça. Faire une nomenclature, mais pas de vrais commentaires, des phrases. Ouais. Ouais, c'est oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, mais tu vois, tu détournes un outil pour. Qui n'est pas prévu pour ça à la base, donc. Non, mais je sais pas, il y a un truc quand même assez fort, je trouve, dans les commentaires de code. Et j'arrive pas à retrouver quand on fait de la modélisation. C'est. Tu passes ton code à quelqu'un, s'il est bien commenté, il peut comprendre ta logique et il va pouvoir le comprendre et le modifier. Tu passes ton fichier 3D à quelqu'un, t'as beau avoir nommé tous tes sketchs, nommé toutes tes opérations, fait des paramètres, et ben même faire un petit fichier texte, je crois qu'il manque quelque chose, quoi. Mettre des annotations, il y a un truc qu'on n'a pas, quoi. Mais c'est intéressant comme réflexion, je trouve.
Et alors c'est marrant parce que c'est vraiment la première fois que j'ai j'ai eu ce besoin-là cette semaine, notamment parce que le projet était vraiment chiant à faire quoi. J'ai pas trouvé d'autres mots, c'était vraiment une plaie, c'était un petit truc mais fallait que tout soit paramétrable, que rien ne dépende de rien, enfin c'était vraiment bon, mais ça a marché quoi. Mais je sais pas si quelqu'un pourra le reprendre quoi, c'est ça qui est con quoi. Moi je peux le reprendre pour quelqu'un d'autre ça va être une plaie quoi. Vous travaillez tous sous SolidWorks là? Parce que ouais, Audran, je sais que t'es sous SolidWorks. Alex, je crois que t'es sous Fusion. Me semble. Pas sûr. C'est vrai qu'on est passé à Fusion aussi. Oh, il y a un truc par contre qui manque. C'est un. Ça me fait mal lui. Et c'est un bon logiciel de CAO, mais qui tournerait sous Linux, quoi. Parce que. Je suis amusé à faire une pièce qui utilise un Excel pour les paramètres dimensionnels. Ah ouais, mais honnêtement, j'ai failli faire ça cette semaine parce que. Mais je m'en suis sorti autrement, mais j'ai failli faire ça. Mais ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est cool. Non, ouais, un logiciel qui tournerait sous Linux, putain, ça nous changerait, quoi. Ce serait bien quoi parce que Mac ça tourne très bien mais Fusion sous Mac mais ils sont bien mignons mais leur PC enfin leur matos ils coûtent beaucoup trop cher et à renouveler c'est compliqué si on veut un truc qui tourne bien Windows c'est une enfin, moi, à chaque fois que je reviens sous Windows je pense que je vais me crever les yeux enfin, c'est une catastrophe. C'est vraiment je souffre réellement sous Windows. C'est vraiment un problème. Et j'adorerais pouvoir repasser sous Linux, mais punaise, il manque vraiment plus que ça, quoi. Un logiciel de CAO qui tournerait sous Linux. Bah FreeCAD. Bah ouais, mais non. Si, alors FreeCAD tourne sous Linux, ça on est d'accord, mais c'est pas encore suffisamment abouti pour nous faire des projets de groupe qui plantent pas, qui, enfin, il y a quand même pas mal de soucis quoi. Moi, j'avais fait une petite vidéo là il y a un an sur les logiciels de CAO, j'avais présenté Fusion, Onshape. Qui est un logiciel qui est complètement en navigateur. Alors là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut le faire tourner sous Linux, mais ce qui m'emmerde un peu, c'est que comme c'est sur navigateur, eh ben, t'as que un mode en ligne, t'as pas de mode hors ligne, et donc du coup, quand t'as plus Internet, parce que ça arrive quand même assez souvent de plus avoir Internet, eh ben, tu peux plus bosser, ce qui est quand même un peu embêtant. Et j'avais utilisé FreeCAD. Et FreeCAD, ben, ça va pas, quoi. J'essaie de faire des trucs. Un petit peu complexe dessus, tu butes quoi. Je veux dire, t'as pas la même aisance et la même agilité que sur des logiciels voilà, comme Fusion, comme Fusion, comme SolidWorks. C'est presque comme t'as la lourdeur d'un Katia sans l'efficacité, quoi. Je pense qu'il y a un souci, quoi. Mais c'est logique, après, faire et développer un logiciel de CAO, c'est un boulot démentiel, quoi. Démentiel. Et ils sont pas beaucoup sur le projet FreeCAD, quoi. Ils ont pas forcément beaucoup de thunes, donc pas beaucoup de temps à y consacrer. Du coup, c'est un problème, quoi. C'est un problème. Alors oui, Fusion, même en pro, quand j'ai besoin. Ouais. Ah oui. Il y a encore 2 ans, j'étais sur SketchUp. Ah putain! Ouf! SketchUp quoi! Ok, good enough. Bah ouais. Ouais, si ça marche! Après, ouais, je vais pas taper sur un logiciel. Parce que si les gens, si ça marche pour eux et qu'ils sont contents, très bien quoi. Sauf que SketchUp quand même.
sur la génération d'objets pour l'impression 3D, par exemple. Des fois, il faisait des trucs. Enfin, moi, je me souviens qu'il y avait des personnes qui venaient au Fab Lab avec des objets SketchUp. Il y avait des faces qui n'étaient pas là, il y avait des arêtes qui disparaissaient, des trucs fins. Ça avait l'air d'être peut-être un complexe sans nom, quoi. Mais bon, pour des choses simples, ça doit passer, quoi. Notre ébéniste, là, qui bosse avec moi, il bosse au Rhino. Et ça a l'air bien, bien puissant comme logiciel. Hein. Trop proche d'un modeler pour moi, mais Rhino, ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. SketchUp, c'est le mal. Alors, franchement, non, moi je dis, tu fais ton robot sous SketchUp. Voilà, là, c'est ton gage de cette année, tu fais un robot complet sous SketchUp. Ah, toi, tu vas manger, là. Faut tenter Minecraft. Ah! Eh, bah, ouais, mais y a des mods pour pouvoir sortir des fichiers Minecraft en pièces 3D pour derrière les imprimer. Enfin, j'ai vu des trucs rigolos. Attention, je suis très Minecraft en ce moment. Donc, faut pas me lancer trop sur Minecraft. Sinon, je vais faire des trucs. C'est comme utiliser Paint pour faire des illustrations photoréalistes. Oh! Bah, et tu peux utiliser Paint pour faire des illustrations photoréalistes, hein. Ça va être très long par contre. Mais il y a pas, je dis ça, mais il y a forcément des gens qui font des peintures sous Paint. Mais le vieux, pas le nouveau. Le nouveau, c'est de la triche. Peinture Paint vidéo. Personne qui a fait ça. Attendez. Tu parles à quelqu'un qui a commencé la 3D sur SketchUp. C'est vrai? Mon Dieu. Je pensais pas que tu avais commencé sous SketchUp quand même. On avait quand même SolidWorks pour commencer la 3D. Moi, j'ai pas commencé à la 3D sous SolidWorks, j'ai commencé sur un logiciel. Oh, faudrait que je vous le ramène, c'est une antiquité ce truc. Comment il s'appelait? Bon, il a complètement disparu. Genre de simili SolidWorks, mais je crois que c'était micro machin. Hein. Très bizarre. J'ai jamais su m'en servir. J'étais trop petit pour m'en servir, en fait, je pense. SketchUp a été ma première expérience avec la 3D. Putain, c'est marrant ça. Pour l'imprimante. C'est basé sur Mesh, donc c'est comme si tu utilisais Blender avec une interface beaucoup plus simple. Et ouais, et ouais, et ouais. Nous, on apprenait SketchUp au collège en technologie. Oh, c'est dingue ça. Mais c'est ouf parce que moi au collège, nous, on nous apprenait SolidWorks, tu vois. Et au fin collège, au début collège, on avait AutoCAD. Et alors je me dis que être passé de collège-lycée où tu utilisais AutoCAD SolidWorks, et où maintenant, à mon époque, hein, et où maintenant en fait on fait utiliser aux gens SketchUp, c'est quand même dommage quoi. Je veux dire, en termes de retour en arrière, je trouve. Même si c'est simple, etc. Mais enfin. Je vois avec les formations en Fab Lab, enfin, tu mets des gars, même au collège, sur Fusion, en leur expliquant un petit peu comment ça marche, bah, tu mets autant de temps, qu'à les mettre sur SketchUp, mais enfin, je trouve qu'ils ont une puissance beaucoup plus forte entre les mains pour pouvoir créer, des objets, quoi, à mon avis. Deuxième exclu, ma première réalisation 3D, message du 7/09/2007. À 22h10. Oula! Je crois que t'as fait un mauvais copier-coller. Oh non. Alors par contre, le lien est coupé. Ah non! Alors par contre, ce qu'il faut savoir sur SketchUp, c'est que ça va bientôt, à mon avis, disparaître parce que du coup, maintenant, le nouveau SketchUp, il est uniquement en navigateur.
en tout cas de ce que j'ai vu. Donc les profs, ils peuvent plus utiliser que l'ancienne version. Derrière, en fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, du coup de profs qui passent sur autre chose, quoi. Le lien est coupé sur Allociné, compléter l'adresse. Quoi? Que dis-tu? Ça passe pas. Ah oui, c'est parce que tu veux mettre un. Ouais, alors. Je sais pas si j'ai activé, désactivé le. Alors, putain, je peux rien changer sur. En fait, je vois. Alors, moi, je vois des fois des messages qui passent pas parce que il y a un terme choquant dedans et je peux les accepter. Mais par contre, je ne vois pas ton lien. Et je sais que la dernière fois, j'ai voulu faire passer un lien sur un de tes lives et j'ai jamais réussi à le faire passer. Envoyé sur Twitter MP. Ah. Alors attention. C'est beau. La technologie. Yes, je l'ai. Tant que ça charge, j'ai trouvé un Père Noël photorallye sur Paint. Ça lui a pris 50 heures, mais c'est beau. Ah oui, j'ai arrêté de chercher du coup. Ah, voilà, là on parle. Là, on parle. Oh là! Un alétiomètre. C'est beau. Et des images. Oh! Oh! Alors, attendez, parce que j'ai pas mon compte Twitter là, ça va être super long. Voilà. C'est ce que l'ami avait réalisé. Premier projet en 3D. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Et c'était pourquoi tu avais fait ça? On prend plus de temps à faire un robot, je te signale. Ça dépend quel robot. Je pense qu'il y a des robots, ils ont mis moins de 50 heures. Parce que plus, ce serait honteux. Mon Dieu. Bon. Mes amis, je pense que je vais clore le live. Je vais clore le live maintenant. Pour une simple et bonne raison, je travaille en fait demain parce que je travaille le samedi. Juste gros fan du film. Ah d'accord, ok. J'avais fait à partir de la bande-annonce et des affiches promotionnelles. Ah oui, t'avais récupéré l'image dessus? Ok. Ok. 2007, premier projet. 2007. Ah oui. Je pense que c'était un porte-CD, moi, mon premier projet en 3D. Un porte-CD en 3D. Et après, on l'avait réalisé en PVC plié, plieuse à chaud et découpé à la main. Gros projet. Ceux de mon époque se souviennent de ce genre de projet de collège. Bon. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces échanges et pour ce live. Donc comme je disais, on se revoit normalement la semaine prochaine. Alors plus normalement sur la Fab Academy. N'hésitez pas à poser vos questions sur la formation, sur le fil Twitter que j'ai mis en place là courant de cette semaine. Du coup, ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je vous présenterai un petit peu la formation, mais très rapidement. On regardera ce que moi j'ai fait
Et en même temps, je répondrai aux questions. Donc, il y a des questions auxquelles je peux répondre très facilement parce qu'en fait, c'est des questions sur les faits que moi j'étais étudiant, donc il n'y a pas eu de souci. Sur les questions un peu plus organisationnelles, sur voilà, le fond de la Fab Academy, etc., n'hésitez pas à les poser tôt, que je puisse les poser à mon instructeur dans le cas où je n'aurai pas la réponse. Comme ça, le jour du live, bah, je peux répondre à quasiment toutes les questions. Voilà, et puis bah, je vous souhaite une très bonne nuit, et puis à la prochaine, à bientôt. Et bah écoutez, merci, merci aussi. Bonne soirée à tous, bonne soirée Alex. Et puis bah ouais, à bientôt. Salut! Ah, j'ai qui? Alors, êtes-vous sûr? Ah, ok, d'accord. Alors voilà, un des trucs que j'aime pas sous Windows, c'est la fenêtre de pop-up qui a popé, mais sous toutes les fenêtres. Donc tu penses avoir arrêté le stream, j'aurais pu lancer une grosse connerie, mais non, en fait ce n'est pas arrêté. C'est voilà, voulez-vous arrêter le stream? Ben oui, s'il te plaît. Allez, merci à toi, c'est cool de partager comme ça, la bonne nuit. Eh ben écoute, la bonne nuit à toi, monsieur Poppy. Salut!